Boss. Ouais. Il y a plein de monde ce soir. On sait rien. Lui. On est beaucoup. On est beaucoup, oui. On est beaucoup. Et on n'est pas encore nus. Oui, mais ça va venir. Ça ne saurait tarder. J'espère que vous avez ramené vos grand-mères, ça va les ravigoter. Elles sont mortes. Ce soir, c'est un stream un peu spécial, puisque je suis en vacances chez Bacchus, qui est là. Je sais pas si... Là. Sur un des côtés, là. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que on va reprendre Jingle comme la dernière fois, pour ceux qui étaient là. C'est toujours un système de D20. Nos personnages ont des caractéristiques. Pour que le jet réussisse, il faut que, avec son jet de D20, il fasse une valeur inférieure à sa valeur de caractéristique. Ou égale. Égale, on considère que c'est bon. Je rappelle que les critiques, les réussites, c'est 1 et les échecs, c'est 20. Tous les jets de dégâts, c'est des D6. Voilà, on va rester dans un univers un peu débile. Et on a un nouveau joueur. C'est très sérieux. Chez qui je suis actuellement, in real life. J'espère que vous appréciez l'accent. Très bien, Bacchus. Très bien. Voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et du coup, chaque joueur va se présenter, puis on va pouvoir commencer le scénar. Donc on va commencer par le Bacchus. Ninja, tiens. Le ninja, c'est bien. Oh mon dieu! Non. Avec RP, hein? Oui, c'est ça? Avec RP, hein? Avec RP. Le premier! Bonjour à tous! Bonjour! Comment allez-vous? Je suis un ninja humain, je viens de loin, très loin, je fais beaucoup de voyages. Et je fais une aventure avec des copains, tout ça. N'importe quoi. C'est moi qui est con. Puis t'es obligé de fermer les yeux pour parler comme ça. Bah oui, c'est RP, on l'a dit. Il se met vraiment dans son personnage, ça c'est... on sent la volonté de bien faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, j'expliquerai après. Bah, on va continuer avec... avec qui? Avec Lily Rose. Oh, que l'on voit aujourd'hui, que l'on voit. Oui. J'ai réussi avec la cam. C'était mieux avant. Ouais. Oui. Je préférais tes petites fossettes roses. Oui, t'as un petit goulou. Donc oui, je suis Lily Rose. Je suis une ménestrelle hobbit trop mignonne et naïve. Et donc j'aime beaucoup chanter. J'aime beaucoup chanter et je suis là pour le moral des troupes. Et voilà. Et je suis très copine avec le nain. Parce qu'on aime bien un peu picoler ensemble. Malgré le fait qu'elle a volé ma hache, mais bon, sinon c'est... Tu l'as planté dans mon épaule. Pas voulu. Voilà. Donc, Je peux la couper. Comme ça, on est quitte, on reste copains. Et voilà, et je vous aime tous. Ok. Avec qui? Avec. Pulapis. Bonjour! Alors voilà, je suis Pulapis. Je pue la pisse. Et je suis un mage illusionniste qui ne sert pas à grand chose et qui a aucun sort offensif, donc qui ne sert pas à grand chose en général. Et je suis particulièrement poissard. Ah ouais, ça. Voilà. Et je suis riche. Oui. Depuis la dernière aventure. Ça va pas avec. Il est particulièrement riche, ouais. Ça se payera. C'est bon, t'as fini? Ouais. T'es un bon humain, toi? Ah oui, je suis un humain. Du coup, je ne sers encore moins, enfin encore plus à rien. Allez, Bacchus, présente-toi. Alors moi, c'est un peu compliqué. Donc moi, je suis Bacchus, un mage soi-disant noir, humain. Le problème, c'est que... Ouais, soi-disant, parce qu'en fait, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. J'étais un peu bourré et je me souviens plus rien du tout. Et j'ai vu qu'il y avait un grimoire par terre avec des sorts, donc je sais pas ce que je vais en foutre de ça. Bon, ça peut être sympa, je vais essayer dans la partie.
Et puis j'ai vu 2-3 gens par-ci par-là, donc on va essayer de les suivre. Mais bon, je suis vraiment un peu à l'ouest là. Bon, on va voir, on va continuer, on va suivre un peu le truc. On verra bien. Ok. Du coup, j'explique juste comment vous êtes rencontrés, pour le background. Donc vous étiez dans la taverne, vous fêtiez votre victoire, où l'alcool coulait à flot, et vous avez trouvé sur une table, la table où vous êtes d'habitude, un humain, à l'allure bizarre, une cape un peu avec des motifs que vous connaissez pas trop. Cette personne dormait particulièrement avinée. Et vous l'avez réveillé, bien sûr, puisque vous vouliez lui payer la tournée. Puisque sympa, les gars. Le nain et le hobbit étaient particulièrement... Et la hobbit, pardon, était particulièrement joyeux. Le fait de retrouver de l'alcool, ça les émoustillait un petit peu, n'est-ce pas ? Et ensuite, ils ont appris le nom de la personne qui dormait à votre table, et qui n'est autre que Bacchus, qui a une connotation dans la légende naine comme étant le dieu du vin et du sexe. Et du sexe, voilà. C'est pour la prêtresse. Ah oui. Donc voilà, donc vous l'avez adopté, enfin deux personnes l'ont adopté à peu près rapidement, les autres vous avez subi, hein, soyons clairs. Voilà, je vais te laisser te présenter, Putacia. Ok, donc moi je suis prêtresse Putacia, je suis une humaine disciple de Slanouche, le dieu des secrets, des vices et de la perversion. Oui, la touche, c'est un peu pareil, tu verras tout à l'heure. J'ai des pouvoirs où je peux montrer mes seins et distraire les ennemis, je peux aussi fister à la demande, je peux faire plein de choses, je peux attacher avec mes menottes et j'ai toujours des gants sur moi, au cas où. On sait jamais. Un peu comme Bacchus, quoi. Mais je suis très jalouse, là, de Bacchus, parce qu'il a un gant beaucoup plus gros et c'est absolument anormal. Mais ça a plus de mal à rentrer. Ouais. Bah ouais, mais une fois que c'est dedans quoi. Tu vois, ça laisse plus de marques. T'as moins de sensations. Bah, je sais pas, j'ai l'impression plutôt que on ça... On va arrêter sur les détails techniques du fist accompagné de plaisir. De quoi C'est ce qu'il a dit, ça. Burin, je te laisse te parler. Je suis Burin Mouyushen, je suis un nain gladiateur. Donc je me balade avec le corps huilé en slip. Et des petites sandales aussi, surtout des sandales. Le gladiateur, quoi. Et j'aime ouvrir les portes, j'aime couper les gens en deux, et j'aime pas trop Putacia parce qu'elle a un don assez prononcé pour les orifices, donc j'essaie de garder les miens vierges. Mais tu as le corps huilé, pour moi ça attire, c'est que ça doit rentrer c'est plus facilement. C'est ta faute. Mais pas ce soir. J'ai c'est la faute tête. À ton corps, huilé. Huilé. Ok. Maintenant que tous nos personnages ont été présentés, on va pouvoir commencer le scénario. Donc, vous vous réveillez dans la taverne où vous avez festoyé hier soir. Vous avez tous mal au crâne. Mais là, vous savez pourquoi. Vous en souvenez cette fois. Il y avait énormément d'alcool. Plus la piste, tu enlèves... 300 pièces d'or à ta bourse, s'il te plaît. Puisque tu étais tellement... Oh, tu étais tellement remonté et que tu avais tellement apprécié la soirée et que tu voulais t'entends faire plaisir. T'entends plus Nexo. Tu voulais faire plaisir. Enlever 290. Le mec, il négociait avec le MJ. 490, tu enlèves. Allez, blâme. Tu voulais faire plaisir à tout le monde, tu as payé le meilleur hydromel et meilleure bière de toute la ville. T'as gagné mon amitié. Vous vous réveillez tous endormis. Enfin. Vous vous réveillez endormis. Vous vous réveillez allongés sur la table. Tous. Vous avez décidé de dormir là cette nuit, apparemment. Vous savez pas trop pourquoi. Et au bout de quelques instants, il y a une personne qui rentre. Dans la taverne.
en poussant les portes très rapidement. Vous reconnaissez une personne qui est chargée de donner les missives dans la ville. Et donc, cette personne se précipite vers vous. Vous dit « Bonjour, faut que j'arrête la pipe. » Ah, le dit souvent. Qui est le chef de votre groupe? C'est lui. C'est qui lui? C'est eux. C'est eux. Ah bah. Bon, c'est pas je moi. Vais donner au doyen de votre groupe. Merde. Attention, il pue la pisse. Il arrive vers toi en se pinçant le nez. J'aurais pas 400 pièces d'or. Il sent le vomi ou la pisse. Désolé, je n'ai que ça pour vous. Et il te tend une petite lettre. Ouais, je la prends. Tu la prends? Ok. Attends. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre dans le chat commun. Ah non, c'est pas ça. Super. Bon, je vous la lire. Non, je vous la lis pas. Tu vas la lire. Ça va être beaucoup plus simple. Tac. Pourquoi j'arrive pas à t'envoyer de... Une préparation incroyable ce soir. Ah non, trop de talent. Tac. Ça rentre sec. Ah. Donc voilà. Tu as une lettre de... Quoi. Si tu veux de l'aide pour lire ou... Ah oui, je ne sais pas lire. C'est long. C'est bien son perso. Mais oui, je suis un érudit. Ouais, bah on l'a vu la semaine dernière. Chers aventuriers, j'ai entendu parler de vos exploits. Je me présente, Madas Nessu, mage de niveau 8. J'ai actuellement un souci, car l'un de mes amis nécromant a rendu l'âme récemment. C'est con pour un nécromant. Lors d'un pari stupide à l'occasion d'un concours de sortilège. Or, il avait promis de me rendre un livre très rare qui manque à ma collection. Aussi, j'apprécierais que vous visitiez son ancien repère pour me ramener ce livre. Je ne peux m'en charger moi-même car je n'ai pas d'équipe et je ne supporte pas le stress. Bien sûr. Il est en effet possible qu'il reste des créatures ou des pièges en activité dans la demeure de ce pauvre bougre. Vous reconnaîtrez facilement cet ouvrage qui est assez volumineux. Décoré d'une couverture de cuir rouge frappée d'un écusson violet, il s'intitule « Secret ténébreux de l'antimonde oh. ». Je vous le rachèterai pour 20 PO. Quoi? C'est une blague. 20 PO? Tu me fais un jet de charisme, s'il te plaît. Oh, en fait, c'est moi qui a l'enfoiré. Il veut garder l'argent pour lui. Ça passe. Oh putain! Ah, t'es sérieux, mais quel pute ce type! Prix non négociable! Je vous offrirai également un assortiment de potions puissantes. Il va de soi que vous pourrez garder pour vous tous les objets magiques, livres et armes étranges que mon ami aura pu collectionner au cours de ses années d'études. Il n'en aura plus besoin. J'ajoute qu'une grande discrétion sur cette affaire est de rigueur, car la demeure de mon collègue n'a jamais été déclarée à la CDD. Et je n'ai aucune envie de payer une taxe pour la possession de ce livre. Pas plus que vous ne désirez leur verser 20% de vos recettes. Je joins à cette missive un plan explicatif vous permettant de rejoindre ce repère secret. Soyez sur vos gardes. Cordialement, Madas. Ok. Wow. Bah, moi je suis ok hein, pour le faire, faire la quête. C'est quand même pas payé très cher. Hein. Ouais, ouais, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Pas c'est pas énorme. Perso, pour 20 PO, je me bouge pas le cul. Hein. Et ah non, j'ai loupé une virgule. C'est 200 PO. Ah. Par perso. Ouais. Oui, mais on peut garder tout ce qu'on trouve. Peut-être qu'il y aura les super CD de Francis Cabrel que j'attends depuis longtemps. Et 200 PO, on est 6. Enfin, divisé par 6, ça fait pas on non plus. On ramasse tout. J'ai un sort de méfiance, fais attention. Et puis, il y en a qui peuvent détecter la vérité. Mmh, oui, moi. Oui. Qui a méfiance, là, parmi vous? Moi. Le ninja. Ok, le ninja et la prêtresse. Vous avez un doute sur le prix qui peut vous être décerné? Sortez gants. Que faites-vous? Je voudrais faire mon sort de méfiance. J'ai un doute.
Bien audacieux de demander une telle somme. Et confiance. Ok. Vous faites quelque chose ou... Oui. Tu fais quoi? Je ne sais pas. Je réfléchis. J'aimerais voir la feuille. Je peux lire? Oui. Mmh. Oui. Où l'ai-je? Sais-tu lire au moins, jeune fille? Eh oui, car j'ai érudition. C'est vraiment pas de bol. Du coup, je sors la lettre, je m'approche discrètement d'elle et je lui dis « Je te donne la moitié si tu confirmes mes dires. » Et je lui donne la lettre. Tu me fais un jet de charisme, s'il te plaît. Ah, vous auriez dû vous envoyer ça dans votre chat. Elle n'est pas obligée d'accepter après. Ok. C'est un joke. Voilà. Très bien. Donc, t'es rassuré. Oh bah oui. Le nain, tu ne l'es toujours pas. Le ninja, tu ne l'es toujours pas, excuse-moi. Non, je vais laisser faire. Ok. Oh mais sérieux, le mec. Du coup, tu as les indications pour te rendre là-bas? Oui, tout à fait, sur l'arrière. Burin, toi, tu préfères rester ici? Non, bah... Je sais pas, on verra sur place, on trouvera peut-être des objets cool. Mm-hmm. Voilà. Ok. Donc, vous partez. Mené par ce valeureux puis lapis. Vous êtes dans son sillage, vous sentez comme une odeur âcre et désagréable. Au bout de quelques instants, donc, dans les indications, il fallait que vous sortiez de la ville et que vous longiez une forêt et que vous pénétriez dans cette forêt. Au bout de quelques instants, donc là ça fait 10 bonnes minutes que vous marchez, vous arrivez sur la carte ruine, falaise, chemin. Attention, il y aura peut-être des falaises. Je dis rien. Je crois qu'il va y avoir des chemins, faisons attention. Méfions-nous. Ok. Je me vois pas. Ok, c'est bon, tout le monde s'est placé? Quelqu'un peut me déplacer? J'ai switché et du coup je ne le vois plus. Ok. Où es-tu? Oh. C'est beau. Magnifique. D'ailleurs, je voulais vous faire une petite chansonnette. Ah, ça y est, toutefois, t'inquiète, on va passer. Pour le départ de la quête. Et c'est parti pour le show, et c'est parti pour le show. Je mets un taquet derrière la tête. C'est normal. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Je vais faire une petite critique et je vais lui arracher la tête. Allez, tous avec moi. Défonce-la. Et c'est parti pour le show. Juste au moment où tu commences à chanter, tu reçois un coup mais violent derrière la nuque, là, t'es légèrement sonné. Tu l'as pas vu venir, mais ça t'a coupé dans... Quand je t'ai dit de la fermer, tu l'as fait. En plein dans ta bouille. Je voulais chanter, faire plaisir, que les oiseaux m'accompagnent. La prochaine fois, tu chanteras quand tu seras tout seul ou sur la douche. Moi, je propose qu'on l'attache à un arbre, pour la peine. Ouais, je regarde Bacchus et je fais... Et je cherche une corde. Vous êtes trop méchant, je vous laisserai non, jamais faire. Non, on est copains en plus, normalement. Vous avez pas de corde sur vous. Ah. Et bim. Bah écoute Bacchus, dès qu'on trouve une corde... On s'en occupe, pas de soucis. Vous êtes vraiment okay. Des enfoirés. Donc les indications... vous dites qu'il y a... C'est tout droit en gros. Il y a... On va vers les ruines. Vers les ruines, exactement. Et vous voyez, il y a un petit passage juste au-dessus et il faut que vous y alliez. Moi, je suis pas chaud d'y aller directement comme ça. Je pousse plus la piste pour qu'il parte devant. Je m'approche comme ça et je le pousse. J'avance d'un mètre et je m'arrête. Je le pousse plus fort. Ok, il y a rien qui se passe. Ok, bon bah on va y aller. Je me répète la tête. Oh, le ninja il trace sa mère. Le ninja vient. Ah mais le ninja il est fort pour ça.
Non. C'est mon éclaireur. Déjà, vas-y, fais petit pas et regarde s'il y a des. Enfin, vas-y, je crois pas qu'il y ait une détection des pièges, moi, par contre. C'est pas grave, c'est pas ça le but. J'ai pas envie de mourir. Le but, c'est que tu te les prennes avant nous, enfin. Tu pourras pas. Le magie de soigneur. Mais oui. Tiens, sort de soin. Il marche pas sur le nain parce que. Ah, t'as pas besoin de chanter pour soigner les gens, hein. D'avance, moi, tu fais. Chante en avis. Alors, moi, ce que je propose, c'est que je peux mettre mon plastron avec mon sort, comme ça je me renforce un petit peu et puis j'avance un petit peu pour voir. Je vais jusqu'au cercle là. Je vais déjà faire une petite détection du coin. Moi, ouais, je fais une détection, t'as raison. Ouais. C'est une détection de quoi que tu fais là? Une détection. De Flumitor. Ça me coûte 2 PA. C'est une maladie ça? Et ça. Ah non, c'est le Priaka, pardon. Ça détecte quoi ça? Pour voir s'il y a. Je détecte un lieu, voir s'il y a une aura magique dessus. Oh. Ok, vas-y. Rien du tout, du coup. Tellement pratique. Je suis là. Je crois pas du tout. Yeah. Oh. Il a réussi un jet. Ok. Non, tu détectes rien. Tu vois, y'a rien. On y va. Salut. Allez hop, moi j'y vais, je fais confiance en ma magie. Ok, bah moi je suis plus lapis. Moi je suis aussi. Ah bah je vous suis aussi. Ah, moi t'as de suivi. Allez, je me mets derrière eux quand même, on sait jamais. Et j'avance carrément. Hop. Ok. Quand vous êtes à peu près au niveau des ruines là, au bout d'un instant, vous entendez des bruits tout autour de vous. Merde. Et vous voyez sortir de sous les troncs des arbres. Zut. Clac. Oh. Oh. Ça me fait peur, ça. Ah, ça, ça pue le cul, ça. Ouais. Non, ça pue. Non, mais c'est le mal. Je suis un thé de la bière, moi. Ah, putain. 8. Ça va? Je reprends un peu. Ok. Putain. Donc, vous êtes entouré par des êtres vraiment moches. C'est mi-humain, mi-mort en fait. Ça a une grosse bouche avec des gros crocs. Et ça court vite. Vous en rendez compte au moment où il commence à accélérer et venir vers vous. Oh putain, moi je me cache derrière Pilapis. Je me cache derrière toi. Je me cache derrière eux. Je casse dans les os. On peut se mettre en rond, non? Comme ça, ouais, on se met en rond. Ce serait bien de se mettre en rond, en fait. Allez. Enfin, on a le réflexe de faire un cercle et chacun... Ok, chacun le sien. Eh, hey, okay, ils sont 8. Je me mets là. Ah, je prends le 7. Et moi, je prends le 2. Ok. Et je prends le 3. Pour la fuite. Vous me donnez vos valeurs de courage, s'il vous plaît. 12. 10. 13. 9. Putain, t'as 9. 10. Alors, qui c'est qui a 12 là? Ouais. Moi. Ok, donc c'est Burin. Les deux demi-portions. Ouais, c'est les demi-portions, ouais. Puis c'est 13, du coup, je crois. Moi j'ai 13. Putain, t'as 13. Bah, Bacchus, il est bourré, donc il est, okay, il est courageux. Carte Bacchus, c'est à toi de commencer, que fais-tu? Bah, je lancerai bien 2-3 cailloux à la tronche. Histoire de voir ce que ça donne. Un petit gravier. Tiens. Okay. Dans les yeux. C'est pas un sort, ça. Tu ramasses un caillou, tu jettes. Je ramasse, donc, voilà. Je vais jeter dessus. Un gros gadin ou une petite caillasse? Ah là, il n'y a qu'une petite caillasse. Donc, en fait, ça lui a fait une petite pichenette. J'ai l'impression qu'il n'est pas super content. Donc, il s'est rapproché un peu. Donc, je vais peut-être lui lancer un petit sort parce qu'il faut quand même qu'on s'en débarrasse. Moi, je vais lui faire une compression des gonades. Donc. Sur qui l'en est? Ce sort. Donc, c'est. Balduza! Il est mort, je crois que ses gonades, elles lui importent. Il faut faire un sort. Il faut faire okay. Tu me fais un jet de magie. 20. S'il te plaît. Un des 20, s'il te plaît. Et tu compares à ta valeur. Il y a peut-être des modificateurs sur son sort. Flèche duo. Hein? Ah oui. Duo. Ah, ça marche pas. À ta valeur de. Ça marche pas. De magie physique. Ça marche pas, Kitty. Ça marche pas. Ma magie physique est de 11. Oh putain, ouais. Tu as fait combien? 6. Ça marche pas. Il a fait 6. J'ai fait 6. Non, c'est moi qui ai fait 6. Ah, c'est lui qui a fait 6. C'est Burin, t'as rien fait. On va y descendre. Faut faire. Point d'exclamation 1D. Ah, d'accord.
Ah, mais il a toujours pas eu la lance. Si, il a fait un tout à l'heure. Tu fais 7. Oh, okay, voilà. Donc, c'était lequel que tu visais, le numéro 7. Ok. Donc, vous sentez, juste à côté de vous, vous sentez Bacchus qui se concentre et qui jette son sort. Et le nécrophage numéro 7 s'étale par terre en se tenant l'entrejambe. Vous avez pas trop compris ce qui s'est passé. Trop fort. À nouveau, il est trop fort. Ok. Tu as éclaté les couilles. Burin, c'est super baraque, moi. Je dégaine mon épée et je cours comme un taré vers le nécrophage 3 en faisant bah. Voilà. Ok. J'essaie de le taper. Tu le tapes. Oui, je le tape fort. Parce qu'il est un peu loin. Wally, ça passe. Wally. Ok. Du coup, je vais faire mes gels là. Vous allez les voir. Hop. Ok, il esquive pas. Tu me fais jet de dégâts, s'il te plaît. Donc toi, t'es toujours avec ton épée plus 3, là, ça. Bah l'épée, je sais pas quel bonus elle a. C'était ma hache qui était plus 3, en fait. Ah, tu sais pas. Ok. 2. Super. Ok. C'est pas terrible. Ensuite, Lily, que fais-tu? Alors, moi, je chante une comptine guerrière. Je propose la corde, mais bon. Non, mais c'est ma compétence héros chantant. Et pendant un combat, en fait, je deviens plus performant et je gagne attaque et je sais pas quoi, plus 2. C'est un peu poppy. Ok. Oui. Donc, attends, j'essaie de trouver une chanson guerrière. Bon, bah, je vais prendre Allons, enfants de la patrie. Jour de gloire. C'est pas du tout le rythme. Mais je chante très mal. Laisse-la chanter, je chante très vite. Oh mon dieu! Truc sanglant, étendard sanglant, t'as levé? Bah, je sais plus. Tu m'as tout coupé! Bah, c'est pas grave, ça marche. Allez, je. Ok. Je lance quand même pour voir si ça marche. Ok. La prochaine fois, je faudra me laisser tranquille, tu vois, prendre mon temps et tout. Ouais, essaie de pas parler quand les autres parlent. Vas-y. Non. Donc, c'est du charisme, hein. Faut que je lance mon. Pour voir si ça marche. Oui. Bah, ça marche. Ok. Donc, Là, le prochain que j'attaque, normalement, j'attaque plus 2. Ok, vous voyez, vous entendez la ménestrale chanter, vous voyez qu'elle grossit partout. Mais genre de partout. Elle a à peu près la taille d'une humain, maintenant. Et elle est revigorée, et elle est un peu comme quand elle boit de la bière. Ok, le ninja, que fais-tu? T'as fait un déportement silencieux derrière le micropage numéro 7. Ok. Mais il est déjà par terre, le numéro 7. Ah, bah alors le numéro T, c'est de ton côté là. Eh bah, il suit vachement le ninja. Ok. Donc, il faut que je fasse. De discrétion, non, je sais plus comment. D'adresse. Adresse. Ça fait pas au bon endroit. Ouh. Ça passe. Ouf. Okay. T'arrives à te déplacer derrière, il a rien vu. Les limites trop fort. Plus la piste. Moi je fais face au 1. Je vais faire apparaître une illusion de foule autour de moi. Ok. Alors, tac. Ça passe pas. Alors vous là, vous voyez le. Vous voyez le l'autre mage qui se concentre et. Il y a un espèce de cochon d'Inde qui apparaît. Hey, ça peut servir. Donc là, il y a un cochon d'Inde qui mange de l'herbe devant vous. Tu le donneras envie déjà, il va peut-être le bouffer. Eh non, je peux faire du contrôle mental. Putain, ça, que fais-tu? Est-ce que les nécrophages sont humanoïdes ou non humanoïdes? Humanoïdes. Très bien. Donc je voudrais lancer le sort plagellation sadique sur le nécrophage 2. Okay. Attends. Tu vas aimer ça. Popopo. Comment je le défonce? Ça fait 1. Ok. Fait 1. Ok, bah tu fais tes jets de dégâts du coup. Attends, faut que je lance un des 20 ou 6, c'est ça? 6. C'est ça. Et tu en relanceras un après. C'est ça. Pouah. Pouah.
La vérité, je le défonce. C'est sur lequel tu, Le 2. Ok. Ok. Là, du coup, vous voyez qu'ils ont pas l'air hyper contents quand même. Vous voyez un des nécrophages qui commence à courir vers. Je m'en sors pas. Alors, le 2. Du coup, vous êtes au corps à corps. Hein. Tac. Oh, peu cher. Tac. Ça va péter dur. Tac. Oh putain. Ça, j'en ai flagellé un. J'en ai flagellé un. Un flagelle de les autres. Mais ça fait quoi la flagellation? Ça le rend inconscient ou... Je pense qu'il a péché. Ça le flagelle un. Il a bougé. Il s'est barré. Hein. Les dégâts sont doublés. Du coup, tu peux te barrer, ninja. Ah, du coup, tu l'as fait 12. Ok, pardon. Je connais pas tous les sorts, hein, si vous pouvez me le décrire légèrement. Ben, moi, je vais peut-être faire un vortex du malheur. Okay. Oh non. Alors, j'ai peur. Alors, pour votre information. Déjà, c'est au nécrophage. Oui, c'est leur tour. Donc, vous allez tous me faire un jet d'esquive, s'il vous plaît. Ah, j'aurais dû faire mes attaques d'esquive. Ça va faire mal. C'est quoi? C'est un dé combien, les esquives? C'est la parade, c'est un dé 20. C'est la parade. Ok. Bon. C'est j'ai jeté dans la colle. Un esquive, j'ai combien la parade? 20, ouais. Pour la j'ai rien, ouais. Moi, dans mon affiche perso en parade. Si, bah, c'est ça. Ça doit être 8. Ça doit être 8. Oh, bah, de toute façon, ça. Moi, j'ai 10 et j'ai fait 10. Donc, je peux me. Oh putain! Nous, on est deux à avoir 17, ça pue du cul, ça. Vraiment, ça chie. Ok, moi, j'ai 19. Ça fait 19. Hein. Ok, très bien. Non, qui a dit ça? Oh, plus cher. Alors, prêtresse Putassia, tu perds 7 PV. Ah bon? Ok. Burin, tu perds 7 PV. Et Lily Rose, tu perds 6 PV. Ah. Ok. C'est de nouveau à Bacchus. Que fais-tu? Donc je reprends pour mon vortex du malheur, maintenant que j'ai eu sur mon grimoire. En fait, c'est pour mettre un peu l'ambiance dans les soirées. Donc, vous le donc après quelques... Donc je me concentre un petit peu. Et donc ça donne des effets destination plusieurs cibles. Et... Et attendez, parce que je lis en même temps le grimoire, hein, je suis un peu désolé. Ça fait un vent rotatif et noir chargé de miasmes empoisonnés qui traverse la peau. Donc ça risque de leur faire bien mal. Ça rigole zéro, quoi. Ah non, mais moi je suis pas là pour déconner. Tu fais sur vous, en fait. C'est oui, dire. Parce qu'en fait on est au centre et les mecs sont autour on de nous. Milieu. Si tu le fais sur nous... Oui, ça va s'écarter après. Mais nous aussi. Bon, on va prendre cher, quoi. On se considère qu'il y a un œil dans le vortex. Il y a un œil, ok. Faut qu'on se rapproche. Non, puis... Bof. Qu'on se colle les uns aux autres. Normalement, ça peut toucher les équipiers aussi le mage. Hein. Bon, j'ai peur. Ça peut pas tanger. Donc, je fais tous un jet de résistance tant qu'on y est. Vous me faites tous un jet de résistance à la magie, s'il vous plaît. Mais moi qui suis extérieur, toujours en fufu. Toi, tu non. C'est bon. Ah, j'ai réussi. Résistance magique. Où aller? Ok. Ouh. Fera rien. Oh putain, moi ça passe. Vas-y, comment pas écouter mon carré? Ça passe aussi. Du coup, tu veux que tu jettes de dégâts, s'il te plaît? Ouais. Ça touche tout le monde, on est d'accord. Hein. Allez. Le jet de dégâts, il a fait un D20, par contre, c'est un D6 qu'il faut faire. C'est un D6, ouais. Ah bah, si on m'explique pas les choses. Là, pareil. C'est pareil. Il n'y okay. a pas de modificateur, c'est pas au niveau des dégâts. Ça doit être précisé dans ta. J'ai pas compris, tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que genre c'est 1D plus. C'est 2D plus 3 par cible. Ok, donc c'est 2D. Donc c'est tu fais. Tu en jettes un autre. D6. D6. Et tu rajoutes 3. Non. C'était presque.
Ok, donc tu fais 9 de dégâts. Ok. C'est bon. Que fais-tu j'allais t'appeler Bradin. Burin. Et du coup, la tornade, là, elle s'est vanish ou on est encore dedans? Ça, c'est précisé que ça dure longtemps ou pas? C'est une durée de sœur qui fait 8 assauts. Ok. Super. Donc là, okay. Ils sont tout autour, ça est tout autour de vous, là. C'est une portée de 20 mètres. C'est pas un sort de PD. T'as ça au niveau 2, toi? Il est niveau 1. Mec, c'est prodige. Ok, et eh ben, je vais essayer de retataner le nécrophage 3. Ok, si j'ai inventé. Ok, vas-y, mais tu me fais un jet de résistance à la magie. Tout le temps, oh putain. Ça, c'est mon jet de quoi? C'est mon jet de force ou mon jet de résistance, du coup? Tu devrais le prendre en résistance, je pense. Ah, c'était ton force. Ça, c'est... ça, c'est... on considère. Ouais, vas-y, on va dire que de toute façon, je carry trop. Donc, t'as fait un critique sur. Ok, donc tu peux pas esquiver. Tu me fais le jet de dégâts doublé. Tu fais le jet de dégâts doublé. C'était lequel que tu visais? Le 3. T'es en forme ce soir, okay. Hein. Et ouais. Comme la semaine dernière. Le 3, pff, il tombe par terre. Il est mort. Ok. Billy Rose, que fais-tu? Bah moi, donc je suis avec en forme là. Ouais, t'es en forme. Je prends mon bon gourdin. Et je vais sur le plus près de moi, c'est le 8, je crois. Ok. Nécrophage 8, et je lui donne un bon coup de gourdin. J'essaie de le décapiter avec un coup là, en tête. Ok, tu me fais un jet de. C'est de force. Alors, je crois que ça passe bien. Attends, faut que j'aille voir ma force. Ça doit passer, je pense. Ah oui. Ah non, j'ai 8 en force. Non, ça passe pas. Ok, tu rates ton jet. J'y esquive au dernier moment. Il voulait éviter un des nuages putrescents que le mage noir envoyait. Et bah en fait, il t'avait pas vu, mais t'as pas vu. Ok. Le ninja, que fais-tu? Sous ma furtivité légendaire, je vais faire un coup lâche dans le dos du nécrophage le plus proche de moi. Ce qui fait 2 fois AT. 2 fois mon AT. Fois ton attaque. Donc, okay. Tu me fais un jet de résistance magie par contre, parce que tu rentres dans le nuage. Oh le fou. Ok, ça passe. Ouais, et maintenant, tu fais ton jet de. Ça doit être adresse, toi. Hein. Adresse, ouais. Ah, ça passe. Ok. Et tout en voulant esquiver, parce que tu t'es concentré sur le fait d'esquiver les sorts, donc tu passais de nuage en nuage de manière. Virevoltante, mais en arrivant juste devant le nécrophage, pff, tu t'étales par terre, le nez dans l'herbe. Ok, à toi, on a oublié plus là. Lily, pardon, non, pas Lily, plus la. Oui, t'as sûr. Ou plus la pisse, voilà, moi. Je vais faire un cri qui tue. Ok. Ah! Sur le plus proche, sur le 1, du coup. Je vais lui hurler dessus, mais à mort. Et coup, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. Un jet d'intelligence, tac. Tu pousses tes dents. Alors, il se prend un dé plus le niveau du personnage en face. Ok. On a perdu... On a perdu Lily Rose, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Je fais un dé quoi? C'est un doit être intelligent. C'est un dé. Tout ce qui est dégâts, c'est D6. Ouais, ça marche. C'est un. Ouais, ils disent un dé plus le niveau de l'ennemi. Ah, ça, tu le sais pas. Donc, c'est moi qui saurais. Oui, ouais, okay. Tout à fait. Je hurle dans l'eau également. Tu as fait un là? Ouais. Ok. À toi, comment... Putassia. Bon, puisque la flagellation n'a pas fait grand-chose, je vais essayer d'attaquer le 2 avec mon bâton. Ok. Ça va pas être... C'est force, du coup. 2, ça passe. Aise. Ok. Vas-y, fais ton jeu de dégâts. C'est 6. C'est ça.
Très bien. Il fait tellement de dommages. Au bout d'un moment, vous savez pas pourquoi. Les nécrophages, il y en a deux qui tombent par terre. Ah, c'est le sort. Et les autres, ils re-rentrent dans le sol. Merde. Revenez là. Donc, Mandash. Vous avez... À votre... Je voulais chanter une chanson. Vous avez à votre disposition trois morts. C'est les caves, ça. Que faire? Bon, on va les fouiller, non? Attention, prêtresse putassia, elle va bien les fouiller. Vous m'en laissez un quand même. Hein. Ok, ils sont pas morts, ils sont au sol. Bah, ils sont morts. Si, ils sont morts. Non, j'ai fouillé le 7. Il est pas mort, hein, il a toujours. J'ai fouillé le 4 alors. J'ai fouillé le 7. Bon, bah, moi j'ai fouillé le 6. Et c'est moi qui vais fouiller le milieu, si tu vois ce que je veux dire. Je fouille le 4. Ok. Vous trouvez rien. Ils sont en... Je vais sur le 7. C'est des pagnes. Oui, des pagnes. Je vais voir si je peux trouver un signe particulier sur lui de magie ou de quelque chose. Une amulette, un collier. Vous me faites tous un jet de détection. Ouh, critique. Ok. T'inspectes, tu vois des griffures sur eux. Mais pas de signe particulier. Okay. Bon. Oh, on n'en fait rien, on peut pas les manger. Il pue quand même un peu, je comprends pas. Ça s'appelle un nécrophage, quoi. J'ai l'habitude. Je pense pas que c'est les goûts de poulet, quoi. Je peux essayer. Bon, on va se marrer. Il va mourir empoisonné. Ok, donc vous faites rien de plus. Bah non. Ok. Très bien. Vous arrivez. Ok. Donc vous continuez quelques minutes au niveau de la. Dans la forêt. Vous êtes un peu plus aux aguets, forcément, puisque. Que vous venez de rencontrer des nécrophages. Au bout de quelques instants, vous arrivez devant une énorme bâtisse qui correspond à peu près à la description de la maison qui était faite dans la description dans la lettre, pardon. Oui. J'étais en train de me perdre. Merci. Donc, seul bâtiment qui n'a pas été détruit entièrement. Vous êtes... Ok, repère Jandor, s'il vous plaît. Vous arrivez ici. C'est vachement rose, waouh. Ah, là. Là où il y a la porte. Tout en haut. Tout. Ce qui bouffe, là. Quelqu'un peut me déplacer encore. Mais t'as pas de main? Si, mais j'ai changé d'écran. Ouais. Oh là là. Putain, ce type. Ok, Oscar. Alors, faut que tu la fermes, celle-là. Tu vas dans la fenêtre. Tu as le repère Jandor. Tu cliques dessus. Donc vous êtes devant cette porte. Qui a rune spéciale ici? Moi. Ouais. Moi j'ai rune bizarre. Ok. Vous arrivez donc il y a des choses écrites sur cette porte que seules les personnes qui ont rune spéciale peuvent lire. Donc je vais les lire pour eux. D'accord ? Non, je vais juste vous
Je vous l'envoie en MP. D'accord ? Vous faites après, vous en faites ce que vous voulez. Hop. Tac. Voilà. C'est bon, je vous ai envoyé. Ouais, je lis ça. Tu peux m'envoyer sur Holistic, s'il te plaît? Bah, en fait, toi, tu sais lire les runes? Oui. Ah, pardon. Comment on sait si on sait lire les runes ou pas? C'est dans tes compétences. Non, mais nous, on est trop sous pour savoir lire des runes. Ah, j'ai pas de compétences, moi. Ok. Est-ce que vous le partagez avec les autres ou pas? Oui. Surtout oui. À la prêtresse. Ah okay. Quelque chose pour moi. Vas-y, oui. Bah Putassia, tu le lis alors lui. Alors. C'est pas Putassia. De quoi? Ouais, vas-y, lis. Chers invités, pour entrer dans mon repère, déposez vos trois offrandes dans les vasques de perception. Vasque 1. Certains l'ont dur et d'autres longue. En tout cas, mieux vaut ne pas l'avoir contre soi. Vasque 2. Toujours au centre du cyclone, point faible du géant qui n'en a qu'un, se retrouve aussi bien dans la tombe que dans la soupe. Bon, bah ça, c'est un œil. Ça peut être une couille, hein. C'est peut-être un œil. Parce que les cyclopes, les gens, je dois. Vasque 3. Jouvencelle, tu ne sais si tu veux la perdre. Femme adulte, tu rêves qu'on te l'offre. T'accompagneras souvent dans ta mort. Ça, c'est une alliance. C'est la virginité. Ah oui, c'est la virginité. Tu rêves qu'on te l'offre. On offre la virginité. Et moi, je n'ai plus ma virginité, hein. Mais la virginité, ça ne t'accompagne pas dans ta tombe. Je pense que vu l'odeur de Pulapi, celui doit encore l'avoir. Ma compagnie ira dans la tombe. Alors, certains l'ont dur, d'autres l'ont plein. Tout comme mieux vaut ne pas l'avoir contre soi. Bah, la dent. La bite. La bite. Bite. Ok, la bite. Je sors ma bite et je la pose dans le réceptacle. J'écarte les jambes dans la première vase. Il y a rien qui se passe. Ah. Et je me retourne, je fais exprès de bien la montrer à tout le monde, genre, oh, pardon, puis je la range. Est-ce que je peux aller chercher une dent sur les nécrophages? Moi, j'ai une dent. Moi, j'ai des dents sur moi. Ah, t'as des dents de rat, toi? Ah oui, t'as des dents de rat. Je peux en poser une. Ouais, vas-y si tu veux, ouais. Ouf, tu le fais. Une seule. Hein. Ok. Au moment où tu poses la dent dans la vasque correspondante, t'as une lumière bleutée. Pouf. Qui. Et voilà. C'est beau. Oh. J'ai tellement de pouvoir. Qui s'affiche au niveau de la rune. Et pourquoi ça peut faire ça avec ma bite? Parce qu'elle est trop petite. Ah, t'as déjà vu une bite dedans? C'est pas blanche. Elles étaient mieux, hein. C'est quand même. C'est juste du poil. Ok, bonheur. Que faites-vous? Alors la deuxième. Bah ça y est, on fait la deuxième. C'est un œil. Le centre du cyclone, c'est un œil. Ouais, ouais, c'est un œil. Alors on met son œil sur la vase comme ça. Ils sont loin de nous, les cadavres des nécrophages, du coup. Bien sûr, sur sa bite. 5 minutes. C'est vrai, je passe pas mon œil. Okay. Oh, ça peut être une burne. De toute façon, le gars, c'était un nécromancien. C'est forcément des morceaux de corps, de toute façon, qu'il veut. Oui, c'est ça. Et le troisième, c'était quoi? Tu peux le relire? Je t'accompagnerai. Tu sais, si tu veux la perdre, femme adulte, tu rêves qu'on te l'offre, t'accompagneras souvent dans ta main. C'est la main? Non. Perdre la main, t'offrir la main. Ah ouais? Femme adulte, tu rêves qu'on te l'offre, ouais. Oui, ça peut marcher. Ouais, mais tu sais pas si tu veux la perdre quand tu es... C'est une alliance. Une alliance, non? Femme adulte, tu rêves qu'on te l'offre. Oui, mais petite. Mais je vous en sais, tu l'emmèneras dans ta tombe. Tu sais pas si tu veux la perdre, tu perds pas d'alliance. Ah ouais. Tu perds ta virginité, ça, d'accord. Bah ouais. Bah, il y a peut-être un nécrophage avec son hymen encore. C'est merde, c'était pas des hommes. La liberté. Le prépuce. Ah oui, la liberté. Mais on peut pas la mettre dans une vasque. Tu prends et tu la poses. Du coup, elle disparaît complètement dans la mort. La liberté, oui, quand t'es mort, t'es libre en fait. Alors, quand tu mets ta liberté dans le vasque. Il faut qu'on mette quelque chose dans les vasques, donc faut forcément que ça soit physique, à mon avis.
Pour être la liberté d'Arras. Un objet. Ou une bague. Je suis chaud de la bague. Hein. Ouais. Ouais. Oh, j'en ai pas. Au pire, on met une main avec une bague dessus, comme ça, on hésite entre les deux, on met les deux d'un coup. Okay. Moi, j'ai une bague, mais bon, je comptais la vendre. J'aimerais bien la récupérer après. On va la prendre quand on va. Il y a peut-être un mort qui a une bague. Après, c'est pas grave. Bon. Elle, de dernier objet, je le donne pas, hein. Je suis en train de perdre tout ce que j'ai eu là. Bon, ok, je pose la bague. Juste une question, comment vous faites pour l'œil là? Bah, on va récupérer un nécrophage et puis on va récupérer un œil de, dans le nécrophage qu'on a on buté. Un okay. Ah non! Enfin, c'est l'artiste du net, il a raison. L'artiste du net, il a raison, c'est le cœur. Ah. De quoi? Elle a des qui ouais, c'est pas très RP, hein. C'est personne qui me l'a dit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le petit doigt qui me l'a dit. Ok, donc vous retournez à la clairière. On retourne à la clairière. Les cadavres sont toujours là. Okay. Bon, moi j'en prends un, je le ramène jusque dedans, comme ça. Non, on va prendre. Ouais, ok. Ouais, au pire, on met un cadavre dans chaque récipient. Prenez un cadavre. Tu fais ça? Non, je prends un cadavre avec moi, je le ramène à l'intérieur. Ok. Bah, c'est pas à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. Devant la porte, ouais. Oui, devant la porte, oui. Au seuil. Du coup, on a besoin d'une dent, c'est ça? Non, mais la dent, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Un œil alors. Ça moi, je veux. Vas-y, le ninja. Je veux bien lui enlever l'œil. Ouais, il faut une lame. Une lame. Ah, il faut une lame. Ah, une lame pour enlever l'œil. Non, mais je le prends, je mets les doigts, je les passe derrière. Ah, c'est ce que je pensais faire. Fais un jet de force, s'il te plaît. Le ninja, il est plutôt adepte. Il a un œil, mais voilà. Ça passe, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? 11, non, ça passe pas. Là, t'es en train de forcer avec tes doigts et tu sens que ça s'enfonce, mais. Puis moi, je le pousse, je lui dis laisse tomber, t'es nul. T'as l'air d'être un blaireau. Et je fais pareil, je prends mes doigts et je lance un jet de force. Et tu les enfonces. J'espère que tu vas la rater. Oh, il fait un D6, okay. Il triche. Du coup, c'est gentil. Et vous voyez le mage là qui arrive et qui fait. Et là, il y a ses doigts qui s'enfoncent. C'était un peu plus facile parce que le nain avait commencé le travail, je pense. Non. Et il ressort tout l'œil avec le nerf oculaire, etc. Il a l'air satisfait. Mais pour le Vasque 3, c'est pas une bague. Je sais ce que c'est bon. J'ai pas donné ma bague. Triché, toi. Non, j'ai pas triché, je jure, j'ai pas triché. Alors, c'est quoi? C'est une fleur, c'est une rose. Je pense que c'est une rose. Mais je te jure, j'ai pas triché! La foudre va s'abattre sur toi. Et je jure, j'ai pas triché. Déjà, c'est pas marqué dans le chat. Mmh. Et comment tu doutes de voilà, là tu doutes. La confiance. Ok. C'est ça. Tu me fais un jet de charisme, s'il te plaît. Putain! Mais what? Mais tu doutes! Je sais que. C'est pas la fleur. MJ, très bien. Ok, du coup. Vous suivez la princesse putassia, quoi. Mais bien sûr, faut me suivre. Des trucs. Non, mais on n'a pas mis l'œil déjà dans le 2, en fait. Je suis pas les gens. L'a mis ou pas? Ouais, okay. Bah, si, il l'a mis, ça fait pareil. Il y a eu. Ok. Il y a eu une petite lueur bleue. J'ai pas triché. Oh, et l'artiste. Moi, l'histoire du cœur, ça me plaisait bien. Ou. Bah, je vais reprendre mes petits doigts, puis je vais enlever un cœur d'un nécromancien. Cœur à main nue, oui. Encore l'œil, bon, je dis pas. Cœur, c'est un peu chaud. Tu fais un jet de force, s'il te plaît, Bacchus. Il est arrivé. Ok. T'arrives, vous voyez le mage qui arrive, qui prend son gant. Et qui prend son gant. Qui s'enfonce comme dans du beurre dans le corps du. Ah, mais c'est un gant magique. Du nécrophage. Oui. Et là, il sort un cœur qui. C'est un peu pourri. Un peu pourri, il est noir. Je le sens un peu, je le lèche un coup. Et puis je le mets dans le. dans le réservoir. Ok. Est-ce qu'il chope de l'herpès parce qu'il a léché le cœur? Rien qui se passe. Vas-y, le nain, mets ta bite avec. Ok, je ressors ma bite, et je fais le grand écart et je la pose dans la vasque. Tu fourres l'œuf, tu non, fourres ça, le cœur. Ça ne fait rien. Je fourre le cœur. Vous êtes tellement nul. C'est dégueulasse. Je vous déteste tous. Ok.
Ah, c'était nécrophage, pas nécrophile, pardon. Et là, je gueule brouette, brouette. Fétichiste, tout ça. Putain, tu fais quoi du coup? Bah, je vais chercher une rose parce qu'ils ont pas l'air de réagir. Okay. Ah, mais c'est rien passé avec ma bite du coup? Bah, non. Ah, bon, bah, je la range alors. Ta bite était trop petite, on l'a déjà dit. Elle manque au moins de 25 centimètres. Tu trouves, tu trouves une rose pas très loin. Y a allez par hasard. Comme allez par hasard. Eh ben, je vais la mettre. On met tous notre stuff les uns après les autres dans le machin. Pendant ce temps-là, ils sont en train de découper un corps. On n'a pas essayé la main. Et... Je vous arrache la main. Et c'est peut-être le biceps. On n'a pas essayé le biceps. Tu me fais un jet de force, moi. Ouais. Je suis chaud, je arrache la main. Moi, j'en ai rien à foutre. Je mets la langue. Ok. Alors là, vous voyez le mage qui il est en train de s'acharner sur un bras, il est en train de mordre le bras, vous comprenez pas trop ce qu'il fait. Moi, je pose la rose en attendant, je le regarde. Et juste au moment où tu poses la rose, vous entendrez. Voilà, je vous avais dit que ma bite, ça allait marcher. Et c'est là qu'on va faire une petite pause de 5 minutes, parce qu'il est 22h, on en fait une toutes les heures. Voilà. Bonne note, je te laisse. À tout de suite. À tout de suite, tout le monde. Pour une petite chanson. Non. Une corde, vite.
Ok. Donc je vais faire un petit résumé rapide pour ceux qui viennent d'arriver. Donc... en gros, évite-toi toi. nos aventuriers ont reçu une missive comme quoi il fallait qu'ils aillent récupérer dans une vieille bâtisse un grimoire et que la personne qui demandait ce grimoire allait les payer en retour. La version officielle est de 200 pièces d'or pour le grimoire. Vous, donc les aventuriers se sont aventurés, ça fait beaucoup d'aventures tout ça, hein. se sont aventurés dans la forêt et ils sont tombés nez à nez face à des nécrophages, des mangeurs de chair. Ils ont réussi à s'en débarrasser de plusieurs et au bout d'un moment, certains sont tombés à terre d'une manière inexpliquée et d'autres se sont enfouis dans la terre. Sans que nos aventuriers aient pu faire quelque chose. Suite à ça, ils se sont retrouvés face à la bâtisse qu'ils convoitent. Alors, il y a quelqu'un qui fait un bruit chelou, là. Un bruit de paix dégueulasse. Ouais, je ne sais pas qui c'est, mais c'est bon, c'est fini. C'est plus la piste. Et... Tu t'attaques. ont répondu à trois énigmes de manière... douteuse. Douteuse. Mais ils ont réussi à rentrer. Et les voilà arrivés dans les couloirs de cette bâtisse. Et puis là, je fais ça, tout dessalé. C'est là, j'y ai des flatulences. C'est okay. Mieux ou pas ? Je sais pas qui c'est qui fait ça. C'est pas... Ok, donc vous êtes dans un couloir. Non, ça doit être moi. Il est éclairé par des torches. Que faites-vous ? Je les éteins. Non, non. Je les rallume. J'ai un briquet que j'ai trouvé la semaine dernière dans l'autre épisode. Si je les éteins, je les rallume. Ok. Voilà. Un jet de je sais pas quoi. Un jet d'allumage de feu. Ça fait ça, puis ça. Ok. Waouh. Et je les éteins. Et je les rallume. Oh putain. Faites gaffe, le MJ, bah c'est bien. Que faites-vous ? Vous avancez ? Oui. C'est éclairé partout ou ouais. Juste là où il y a les torches ? Vous voyez bien. On voit bien. Les torches. Bah, on avance. Ok. Qui passe en premier ? Le ninja. Avancez ! Les pièges, moi. Il a détection des pièges au pied. Il se les prend et après on voit. Ok. Donc vous avancez. Vous arrivez à... Il y a des gens qui avaient perdu de la vie, là. Non, non, tout le monde a récupéré sa vie. La bière a coulé à flot et ça a fait du bien. Non, mais après, combat contre les nécrophages, on a perdu des PV. Mais c'est pas un jour sur l'Overwatch. Ah oui. Non, non, là, vous avez perdu des PV. Ouais. Si ça dérange pas le MJ, si tu veux, je peux faire tout à l'heure parce que t'étais sur une lancée, je suis désolée. Mais je peux faire un champ pour que les gens récupèrent leurs PV. Non, mais c'est bien. Je vais rester blessé, ouais, je pense. C'est un récap de ceux qui ont perdu leur PV. Moi, j'ai perdu 7 PV. Moi aussi. Sauf que j'ai 44. En fait, j'ai 44 PV max, donc là je suis à 37. Saleté, je suis à 23. C'est toujours presque le double de moi. Bon, si vous voulez, je ferai ça tout à l'heure. Là, on est là. Oui, non, ça va aller. Non, putain, mais on se mettra défensement, t'inquiète. On sera ivre. Oui. À 23, je suis vraiment au bord du gouffre. Donc on sera bien ivre. Ok. Donc vous avancez dans ce couloir, toujours éclairé. Vous arrivez à un tournant. Pareil. Il y a des armures de chaque côté. Des râteliers avec des armures et des armes. Vous continuez d'avancer ? Oui, oui. Moi je veux bien changer mon gourdin, peut-être. Et tu veux pas me rendre ma hache ? Bah si tu me la payes. Je vais pas payer pour ma hache. Bah, c'est un peu la mienne, il y a mon sang dessus. Casse les couilles. Toi, tu vas t'en prendre une, là, je sais pas. Je vais trouver une occasion. Non, tu vas perdre des PV. Je m'en fous. Il y a mon sang dessus. En moi, bâche. Je me bâche. Ok. Il y a mon sang, là, moi. Qui passe devant ?
que je pousse Lily Rose de toutes mes forces. Je vais faire un examen de lieu, moi. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. J'aime bien pousser les gens. Moi, je peux faire l'esquive. Tu me fais un jet de détection de la magie. Ça passe. Ok. Oup. Wow. Je regarde mon modificateur quand même. Tu ne sens rien du tout. Au moment où comment Burin te pousse, au bout de quelques instants, t'entends en essayant de te rattraper, tu entends un. Attends, faut que je te. Chop. Ah, il t'a poussé jusque là. T'entends un clic sous ton pied. Oh putain. Oh, c'est une mine. Un piège. Tu me fais un jet de résistance à la magie, s'il te plaît. Un crayon. Ok. Ça passe très bien. Ok. Dommage. Mais... je vais rester à l'affût, je sens le MJ pas très... Tu perds 3 points de vie. Tu as réussi à esquiver une partie des dégâts, mais pas tout. Bon, tu la rends, mâche, maintenant. Crève. Tu vas mourir avant moi. Si t'étais gentil avec moi, je te la refilerais, mais depuis tout à l'heure. J'étais gentil, je te l'ai demandé. Putain, c'est cool. Ok, toujours pareil. J'ai entendu. Vous voyez des râteliers d'armes. Tu veux pas des haches ? Moi, je. Il y a des haches, il y a de tout. C'est vrai ? Moi, récupérer des armes. Ok. Je vais fouiller un petit peu dans un râtelier. Je fouille et je cherche s'il y a une arme qui a l'air de la même facture que celle que j'avais avant. Au moment où vous touchez les râteliers. Les râteliers s'écroulent par terre en fait. Vous voyez que les armures sont rouillées. Les armes complètement émoussées. C'est de la merde. Bah, je prends une planche de bois moi. D'un bout de râtelier. Dans un Lidl, c'est ça. Tu prends une barre de fer rouillée, ça pas trop utile pour choper. Le tétanos. Des échardes. Il n'y a pas vraiment de barre de fer. Barre de fer. Par contre... Une planche, moi. Moi, je suis pour que quelqu'un en fasse une détection de la magie parce que personne... Tout le monde n'a rien eu à foutre que je me fasse attaquer. Je la repousse dans le couloir. Ok, tu me refais un jet de force, s'il te plaît. Il est trop loin. Mais je peux esquiver, tu m'as pas fait esquiver. Oh. Là, tu t'y attends, donc du coup, tu... Tu me fais un jet d'esquive, s'il te plaît. Il va partir en avant. Je vais m'éclater par terre. Je prends les pieds, quand même. Bon, l'esquive, c'est pas, quoi ça. Non, ça passe pas. Mais oui, mais il prend les pieds, ça. Il arrive. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'il arrive et puis, bah, en fait, il te touche et il fait genre, il te tape sur l'épaule. Ouais. Fais rien. Ouais. Ah, je vais refaire une détection. Et en voyant ça, tu sens le coup fourré, quand même, Libby. Bah oui. Tu fais quelque chose? Bah, c'est lui fait juste une petite tape sur l'épaule. Ouais. Ouais, je fais bah, allez, ça rend qu'une. Quand je vois que je me foire, tu vois. Tu fais un jet de charisme. Ah, j'ai zéro en charisme. Ok. Voilà, tu sens qu'il y a quand même de la fourberie dans ses paroles. Tu ripostes, Guigui, ou pas? Non, parce que je sais que mes champs de soins, ça marche pas sur les nains, donc ça lui fera les pieds. Elle avait pas dit ça. Ok. Moi, je prendrais. Je prendrais bien une planche en bois là du râtelier, puis comme ça on aura avec le briquet de Pulapis, on pourra faire un truc. J'ai pas de briquet, peut-être, moi. J'ai un tu sais qu'il y avait un briquet. J'ai mon bâton qui est c'est Burin, pardon. Tu vois que c'est du bois un peu pourri, quoi. Je peux allumer mon bâton, hein, tu fais pas chier. Toi tu peux allumer les choses. Allumer avec son truc. Bah, alors je prends mon bâton et j'en fous un coup dans la tronche à Pulapis. Ça pour le faire, simplement, cadeau. Parce que je suis encore bourré. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Et plus la piste, tu me fais un jet d'esquive. Je me fais que s'entretuer depuis tout à l'heure. C'est clair. Ok. Alors tu vois Bacchus qui prend une planche, mais elle est tellement pourrie que juste au contact de ton épaule, elle s'effrite complètement et elle tombe par terre. Du coup, je vais le prendre dans mes bras comme ça et lui faire aller sans rancune et je lui change la couleur de ses cheveux discrètement. Fais un jeu de magie, s'il te plaît. Allez.
Petite question au MJ, c'est un one shot ton scénar? Parce que là on va le faire en 5 soirées quoi. C'est un one shot normalement. Ok, tu veux les changer? Un beau rose fluo. Rose fluo, ok. Alors, j'aime bien le rose. Le problème c'est que tu as tellement bien réussi que sa peau se change en rose fluo. Donc tu es actuellement rose fluo. Tu as un petit cochon? Bah, oh. C'est trop joli. Moi je me mets à rigoler très très fort. Et je le montre du doigt. Moi, je me fends la gueule aussi parce que je suis encore bourré. Je trouve ça vraiment. Pas de à l'arrière de la. Mais... vraiment fun, mais je lui fais une compression des gonades. tu me fais un jet de magie, s'il te plaît. On va mourir dans ce couloir. Ils sont en train de s'entretuer là-bas. On va peut-être agir quand même. Hein. Ok, ça passe. Tu me fais un jet de résistance à la magie, s'il te plaît. Allez, pour ça. Ah, t'es sérieux. Okay. Alors. Là, tu sais exactement quel sort il a fait. Ah, j'ai tout mis, là. Donc, tu fais semblant, en fait, d'avoir mal. Mais au final, t'as pas mal. Waouh. Ok. Je peux toucher les seins de prêtresse putassier pendant qu'ils font ça. Alors, tout le monde essaie de te voler, mais okay. À part s'entretuer, on fait rien. Hein. Ok. Donc, ouais. Alors, putassier, il y a le ninja qui te touche les fesses. Oui. Et Lily Rose qui te touche les seins actuellement. Mais ils sont à 20 mètres de distance, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Lily Rose, c'est ma chérie. Moi je me rapproche et je te touche les cheveux. Bon. Tu sens bon? Ouais, mais. Moi là-bas, je voulais avancer, mais enfin, allez. Non, alors, je voulais avancer parce qu'il y a quand même le nain qui essaye de tuer la. Enfin, ça va plus quoi, il y a l'autre. Je vais de la tuer, je vais récupérer ma hache. On a fait 10 mètres dans la salle, puis c'est déjà le bordel. Ouais. Moi, du coup, pendant ce temps-là, j'avance, mais j'essaie de voir à peu près au sol si je peux voir des dalles un peu différentes après. Des autres pour pas déclencher de piège. Tu me fais un geste, s'il te plaît, de détection. Je sais pas si tu l'as. J'ai pas de détection. Ok. J'ai intelligence. Ouais, j'ai un jet d'intelligence, s'il te plaît. Allez! Ça passe? Oui. Tu vois rien en avançant là, non? De toute façon, tu avais. J'avance alors. Tu avances jusqu'où? Je sais pas, dis-moi stop. J'avance jusqu'au bout du couloir là où il y a l'embranchement. Donc moi je vais prendre un. Vous ne tenez pas compte du jaune, c'était le piège, mais je l'ai mis n'importe où. Je vais avancer moi dans le couloir à gauche là. Ouais. Puis vu que je suis tout rose, je vais me mettre accroupi. Ouais. À quatre pattes, quoi. Je vais faire le cochon. Ouais, il se met à quatre pattes, quoi. Et je vais faire un sort. Je vais mettre mon plastron de Twinch. De Twinch, ouais. De Twinch, Attention. Qui me donne un bonus d'armure, au cas où. Okay. Je suis pas totalement con non plus. Donc là, toi, t'es à quatre pattes. Okay. Non, je suis à quatre pattes et je fais des bruits de cochon. Tu tournes le dos à putassia, tu te mets à quatre pattes devant elle. J'attends qu'il fasse une erreur et j'arrive, paf. T'as pas encore vu ses compétences. Et donc j'avance. Comme ça, en courant, en marchant tranquillement. En marchant. Enfin, le plus vite que tu peux. Vraiment, tes petites queues tordues. Pas de Putassia, qu'est-ce que tu fais du coup? Bah écoute, je le vois à quatre pattes comme ça, je pense que c'est un appel. Okay. Alors je mets mon gant et puis je tente une approche plus ou moins violente. Anal. Bah, bien sûr. Okay. Je le connais pas, tu vois, il faut que je le fouille. Tu me fais un jet de d'adresse, s'il te plaît. Parce que je cours, donc il faut que t'arrives à me choper. Un peu cher. Alors là, tu lui fous une main au cul monumentale. Tu lui effleures les parties génitales. mais c'est pas... Enfin... De manière subtile et gracieuse. Tu vois? J'ai tellement chié. Voilà. Donc toi, alors que tu faisais le cochon, tu sens une main qui... Bah je chope une gaule monumentale. J'ai une putain de grosse trique. Le problème, c'est que ça frotte par terre, donc je tombe sur le côté. Parce que vu que j'étais accroupi, et je fais un roulé-boulé jusqu'au canapé. Ok.
D'accord. Jure, c'est pas ce que je voulais. Tu es arrivé jusqu'au canapé. Donc tu arrives dans une salle. Il y a des armoires, des étagères. Il y a plein de choses un petit peu partout. Bah là, je me mets debout. Ouais. Je fouille un peu et puis... Vous voyez une énorme bosse au de la... quand il se tourne, quand il est de profil. Vous voyez que ce n'est pas droit au niveau de sa... Bah, j'ai encore ma grosse gaule, quoi. Il y a quoi dans ta poche? Donc là, moi, je vais fouiller une armoire, une étagère, la plus proche de moi. Ok. C'est une télé qui est à gauche. Une étagère. C'est une cheminée, je pense. Okay. Bah, pareil, enfin, moi je le suis, j'avance dans la pièce et puis. Moi je fais comme lui, j'avance à quatre pattes. Je vais rouler boulet. Je vais fouiller l'autre étagère là. J'avance aussi, trop. Personne marche sur le jaune, bizarrement. Vous me faites tous un jet, s'il vous plaît. Je suis tout le monde. Un jet de quoi? Ok, je suis mort, merci, au revoir. Ok. Alors toi, tu étais tellement omnubilé par la... Que tu viens de te prendre le canapé et tu viens de t'étaler par terre. Tu perds 10 PV. Tu meurs. Tu perds 5 PV, tu viens de te casser le nez. Il est à moitié inconscient par terre. Je suis obligé de parler comme ça maintenant. Oui, tu es obligé de parler. Avec l'accent du sud. Ça va être très chiant. Avec l'accent du sud, putain, non. Ok. Très cher. Alors, qui va où là? Dites-moi où vous fouillez. Je fouille l'étagère qui est en face de moi. Moi je fouille l'autre. Je fouille une sorte de bureau. Une sorte de bureau. Moi je vais vers Lily Rose et je fais. Elle dit ça s'est pas très bien passé tout à l'heure, je m'excuse. Est-ce que tu pourrais me remettre mon nez s'il te plaît? Je lui fais une grosse claque dans le nez pour le remettre dans le nez. Ah putain. Oh. Ok, c'est un jet de force, s'il te plaît. T'espérera. Tu vas tellement perdre des PV. Bah. 8, j'ai 8 en force. Est-ce qu'il veut ou comment ça se passe? Parce que tu as voulu qu'elle te... Tu la vois venir. Ah oui, la patate, tu la vois venir, ouais. Ah ouais. Je te le remets droit, de toute façon, ton nez. Aïe. Donc là, il y a ton nez qui craque. Tu perds 2 PV supplémentaires. Cool. Ça m'apprendra, essayer de faire la paix. Putain. Mais c'est pas vraiment la paix, tu voulais que je te soigne. En fait, t'étais là, t'es venu me demander un service par intérêt. Pulapis. Tu trouves un livre qui t'interpelle tout de suite en fait. Les livres sont pas vraiment cachés en fait. Donc tu trouves un manuel de potion novice. Je le fous dans ma poche direct. Prêtresse Putassia, toi tu trouves un manuel de potions, mais cette fois confirmé. Le ninja, toi tu trouves avec ton sens aiguisé pour tout ce qui est choses qui brillent, tu trouves dans un tiroir du secrétaire un médaillon en or. Pas mal ça. Tu trouves un médaillon en or. Tu trouves également... Qui c'est qui a... Okay. Bacchus, il n'y a rien trouvé. Bacchus, toi tu trouves... un livre qui s'appelle La Nécromancie par Ulur. Pas les nuls. En attendant, je me couche sur le canapé, je regarde autour de la cheminée et j'invite Lily Rose à me rejoindre. Okay. Bah moi, je suis en train de fouiller. Attends, j'arrive quand. Une fois que j'ai fouillé le bureau. Lily Rose, au moment où il t'interpelle, tu aperçois des bottes. Oh ! Sur ma taille ? Il y a des trous pour les poils. Ok. Elles sont bien, elles sont comment, en cuir? Elles sont en cuir. Elles sont mieux que les miennes? Est-ce que je peux demander à Bacchus, qui est un mage, de voir si... Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, identifier mes bottes, savoir s'il y a quelque chose de... Elles ont quelque chose de spécial, s'il te plaît? Ouais, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de toi. Je vais prendre les bottes, je vais les regarder. Et je vais les mettre à mes pieds, et puis je vais te mettre une mandale.
Karma. La violence. Okay, alors, parce que t'as attends, tapé là... son copain de beuverie. Et là, on attends, attend le dé, là. Attends, on sort cette pote aussi. Non, mais là, ça va péter. Alors, je suis pas contente. T'es là. Toi, tu viens de... Du coup, Bacchus, tu viens de récupérer des bottes de charge. Ouais, parce que j'avais pas de bottes. Tu sais que... Tu sais pieds nus. Tu sais que c'est des bottes qui te permettent de charger un ennemi et qui te donnent plus un... En plus, vu que je suis un cochon gourin, rose, je vais pouvoir charger tout et n'importe quoi. Faut pas qu'il y ait d'obstacles. Et ça donne combien, tu m'as dit? Plus 1 en charisme. Tu rajoutes dans les modificateurs. Moi, je l'ai fait. Bien ces bottes, quoi. Toi, tu dis rien. Chapeau, bah, tu lui as donné, pensant qu'il allait les identifier, mais tu viens de te prendre une grosse mandale. Tu me fais un jet de force, quand même, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. C'est quoi, ça? Ce comportement. Okay. Tu me fais un jet de dégâts. En 20? Non, 6. Evenlot, les cams ont frisé, par contre, donc on a un match sur Skype. Ok, d'accord. Ah, merde. Encore bourré. Tu perds 2 points de vie, Lily Rose. Ok, tu sais ce que j'ai fait. J'ai un petit rire en coin, moi, derrière. Alors là, ça va péter grave. Puis je me pars après, en étant accroupi, toujours. Et je fais le tour. Je fais le tour de la salle, comme ça, en étant... En courant à peu 4 pattes. Est-ce qu'elle est par terre, Lily Rose, là, quand il lui met la mandale? Ah merde. Non, Lily, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je lui fais ma compétence champ hypnotique. Ouais. Donc, ce qui fait que si ça marche, il va rester paralysé pendant 12 tours. Putain. Sauf si quelqu'un l'attaque. Donc, il faudrait qu'il perde des PV pour re-être en condition. Ok, vas-y. Et là, je suis pas contente, là. Donc, je chante. Tu me fais attends, un jet. Déjà, c'est un tu peux pas faire ça en combat. Non, c'est pour l'ennemi. C'est un jet de charisme. Vas-y. Alors, il est où mon jet de charisme? Hop, pour les sticks, voilà. Donc, putain, je vais faire ça va passer. Un charisme de 13. Ça passe. Oh, joli. Et donc, je chante. Alors, je vais enfin pouvoir passer ma chanson. Excusez-moi, je chante très mal. 1, 2, rabat ta queue. Alors, c'est un petit oiseau qui prit sa volée, qui prit sa à la volette, qui prit sa à la volette, qui prit sa volée. Il prit sa volée sur un oranger, sur un haut à la volette, sur un haut à la volette, sur un oranger. Pourquoi tout le monde s'est barré sur le stream? Nous avons perdu 15 viewers. Bravo. C'était bravo. Génial! Bravo pour l'effort. Encore! Donc, j'espère que le teamplay restera bien, hein, parce que là, c'est. Ok. Ça part. Donc, bah. Bacchus, tu entends ça, et tu es complètement paralysé. On m'a donné envie de péter. Je suis en train de vérifier quand même, mais. J'ai un bonus d'armure magique avec mon plastron que j'avais tout à l'heure. Ah, mais tu, l'as pas, tu l'avais pas gardé. Je l'avais perdu, ok. Non. En plus. Donc bah je tombe par terre. Okay. Non, tu es pas, tu es debout, tu es à quatre pattes, tu es bloqué quoi. Tu fais le cochon. Tu es une statue. Bizarre. Non mais là c'est pas sympa. Est-ce que je peux lui voler ses bottes pendant qu'il bouge plus, il est paralysé? Oh, bah non, il est paralysé. Est... Mais il est donc je peux ou pas? Non, il a accroupi, il est à quatre pattes. Je vais pouvoir lui faire il s'est relevé pour fouiller l'étagère, non? Non, il était à quatre pattes, c'est lui qui l'a dit. Oui, il faisait le con en... Je pensais qu'il allait fouiller des trucs ça. Et qu'il s'est terminé vous, d'accord. Okay. Et ça, c'est mon moment. Ça, c'est moi. Fais si tu fais des dégâts, il sort de sa tétanie. Et j'arrive. Oui. Je mets mes gants et j'arrive. Si vous l'attaquez, je fais des petits pets de stress, moi. Au pire, on lui met un grand coup de pied dedans. Dedans. Ça fera peut-être péter ou faire une belle grosse fiente. Ok, tu récupères tes bottes? Tu sais pas ce qu'elles font, hein. Toi, Lily. D'accord, ok, mais je les mets au pied. Yeah. Voilà, c'est bon. Pendant qu'elle récupérait les bottes sur Bacchus, est-ce que je peux me faufiler derrière elle et essayer de récupérer ma hache? Tu me fais un jet d'adresse, s'il te plaît. Merci. L'équipe qu'il en peut plus. Comment on se déteste? Tu sais que la hache, elle a rouillé depuis le temps avec mon sang dessus. Non, okay, non, tu arrives pas, tu trouves pas la bonne opportunité pour le faire. Et étant donné que tu t'es pris un taquet et un peu hésitant à la toucher. ok.
Donc très bien. Tu voulais faire quelque chose, Putatia ? Bah écoute, vu que j'aimerais quand même venger mon ami, je voudrais tenter un petit fistage surprise histoire de lui donner une petite. Là, c'est pas vraiment surprise, mais de toute façon, il peut pas bouger, donc. Bah voilà. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Tu peux lui dire okay. Où il est fort. Hein. Après, si tu l'avais laissé tranquille, il serait resté là pendant 12 tours. Ok. Ouais. Ça réussit pas trop quand même. Hein. Tu arrives à passer le doigt. Je suis vachement serré en fait. Tu perds. Le petit doigt. Tu perds 2 points de vie, Bacchus. Mais du coup, ça te libère de l'enchantement. Je te jure. Moi, je m'écarte parce que je sens que Bacchus il est un peu vénère et qu'à tout moment il peut lancer des trucs, donc j'essaie de l'approcher un peu. Il peut lancer un vortex. Bon, ok, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à vous entretuer ou vous avancez ? Non, moi j'avance. Bah écoute, moi j'avance, mais je laisse le cochon avant quand même. Hein. Oui, est-ce qu'il boite le cochon ? Mais il a pris aussi en tout cas. Après, juste un doigt, il a pas boité. Oui, c'est serré. Je vais inspecter les murs, voir s'il y a pas une sorte de mur magique ou un mécanisme quelque part. On passe avant nous. Jet de détection, s'il te plaît. Allez. Non, rien du tout. Tu vas aller voir ce truc très curieux là. En... Après, j'ai 14 en intelligence. Hein. Oui, mais tu sens rien. Oh, un tapis volant. Oh non, copain. On va voir où. Moi, je suis pas le cochon, j'ai peur. Moi aussi, je vais voir le tapis. Cochon, c'est mon pote. Ah, oh, d'ailleurs, moi, je vais avec le ninja parce qu'il m'avait invité. Et bien sûr. Donc, je suis monsieur ninja. Moi je vous suis et puis je vous renifle le cul. Bah. Eh, ce mec il est dangereux. Il va retourner dans sa taverne, fils. Eh bah, exploration. On attend là. Allez. Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas, j'ai pas mon traducteur. Ok. tu veux explorer, c'est ça le ninja ? Eh bah, exploration, yes. Allez. Allez, pour baiser. Ah, allez pour baiser, un lit pour baiser. Il veut fourrer, je pense. Tu le dis à qui, s'il te plaît, le ninja ? Ah, dans le dire à tout le monde, parce que partage. Ok, partage. Tu me fais un jet de charisme, s'il te plaît. Ok. Alors là, vous voyez le ninja, il se met tout nu. Il enlève son kimono de ninja. Alors, on va voir ça. Allez, tout nu, le ninja. Allez, allez, donne. Non, c'est un D6 pour la taille de ton sexe. Et il se dirige vers le lit en faisant une démarche un peu chaloupée, un peu comme les chiens, ou plutôt les chiennes quand elles sont en chaleur avec le cul qui va vers l'avant. Oh, Dieu. Enlevez-moi cette image de la tête. On a vraiment tout vu aujourd'hui. Hein. Que fait-il ? Une petite bite. Bah moi je me rapproche de lui puis je vais quand même je mets mon nez dedans pour sortir un peu. Bon, il y a des trucs à fouiller, moi je vais fouiller les trucs autour. Et là moi aussi je vais fouiller. Moi qui se relève la souffrance. Moi je regarde sous le tapis. Ok, tu regardes sous le tapis. Et te baisse pas, c'est clairement pas le mot. Les étagères. Alors là il y avait des gens sur le tapis donc tu tires, tu me fais un jet de force s'il te plaît. Non, je vais me casser la gueule. Ok. Hé, tu n'y tailles. Je réussis. Ok. Alors, non. Je fais une esquive, moi. Il y en a qui étaient sur le tapis, là. Je fais une esquive. C'est Bacchus. Je suis un roulé-boulé. Sur le tapis. Et Bacchus était sur le tapis. Vous me faites... Tous les trois, vous me faites un jet d'adresse, s'il vous plaît. Merde. Non, passe. Merde. Bien joué, Bacchus. Moi, je suis bourré, quoi. Putain, ouais, le mec, il est torché, mais... Il est en cochon. Burin, tu me fais un jet d'adresse, s'il te plaît. Ouais, j'en ai fait un. J'ai fait 3. Ah, je l'ai pas vu. Si, il y a la fin. Si, il y est. Ok. Donc, tous ceux qui ont réussi, vous arrivez à sauter juste avant qu'elle tire. Mais il y a Bacchus qui était dedans, qui n'a pas vu. Et ça fait un petit peu un effet domino. Et il s'étale la tête par terre. Tu perds 3 points de vie. Il aurait pu s'étaler sur le lit. Non. Le cul à l'air. Donc tu es à 15 PV, Bacchus. Ok, très bien. Et le ninja ? Je fouille, moi. Ok, bon, vous trouvez des couvertures. Super. Okay. Ouais, on peut attacher les roses avec les couvertures. Ah, il y avait quoi sous le tapis ? Il n'y avait rien ? Rien. De la poussière. Je peux fouiller l'espèce de meuble ? Le petit point noir, là où je suis. Putain,
Ça tire Lily Rose, on peut se cacher sous la couverture. Bah, je mets la main dans le pot de chambre. C'est comme un pot de chambre. Je mets la main dans le pot de chambre. C'est un pichet, vas-y. Tu sens un liquide très bizarre, visqueux, collant. Attends pour moi. Attends pour moi. Faut mettre un œil de lance en l'air. Quel taré. Je m'en fous, je pue déjà la pisse. Ok. Pardon. Ok. Bah très bien. Bah voilà. Tu en reçois partout. Voilà. T'as des... La pisse et plus le foutre maintenant, c'est cool. C'est... Du coup, ta couleur de cheveux a changé légèrement. De rose est passée à orange cacadois. Oh, ok, d'accord. Et tu dégages une odeur assez forte. Mais écoute, tes copains, ils puent la pisse. Avec ce jet de pisse dans la tronche, ça m'a un peu réveillé, un peu dessoulé. Et je te redeviens un peu. Un peu plus net, quoi. Je me dis, ben merde, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on a, ben, les copains, ils me remémorent un peu toutes les bêtises que j'ai fait et je m'excuse. Ah. C'est facile, ça. Tu t'excuses devant moi? Je te comme ça. Moi qui voulais le fister, franchement. Ouais. Non, mais ça, c'est, on y vient après ça. J'hésitais à le soigner, moi. Ah, bravo, puis le foutre. Alors, moi, je me suis excusé pour ma hache que dalle, mais alors lui, il s'excuse pour avoir foutu un point gratuitement. Et voilà. Toi, t'essaies de les convaincre, mais ils ont pas l'air convaincus quand même. Moi, je m'en fous, c'est mon pote de beuverie. Donc. Moi, je me sens un peu. Il m'a rien fait avec lui maintenant qu'il sent l'urine. Ok. Que faites-vous? Moi, je peux fouiller le meuble. Il y a rien à fouiller. Non, j'étais là d'abord. Le meuble, vas-y. J'ai demandé avant. Vous me faites tous les deux un jet de détection, s'il vous plaît. C'est quoi détection? Tu fais un jet. Hein. Ok. Donc toi, tu vois rien du tout. Tu viens de te prendre. Il y a prêtresse Putassia qui vient de tirer le meuble en fait, enfin le tiroir, et tu viens de te le prendre dans la tête. J'ai trop pied. Aïe. Je m'approche d'elle et puis je la console. Non, c'est passer le nom. Mais il a un petit string en cuir. Je te fais une petite caresse dans les cheveux. Je te dis, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis content. Tu viens de perdre 5. Tu as mis deux spermes sur la tête. Ouais, je perds 5 points de vie, mais sérieux là, ouais. Putain. Elle vous démerdez, je t'en fous. C'est mon meuble. Je t'en fous plus. Je lui fais un petit bisou, pas la peine. En plus, tu sens la pisse maintenant à cause. C'est très bien. Tu sens la merde. Tu es un peu la merde. J'ai trouvé quelque chose au moins. Oui, tu trouves une robe de noble. Oh, putain. Il l'a direct! Burin, il aurait dû la trouver, il l'aurait mis. Je préfère rester en string, plus de courant d'air. Ça, ok, je la mets, elle est trop belle, j'espère qu'elle a un petit truc. Bah, tu pètes sa siffle. Ok, très bien. Ça fait un do majeur. On a des cours supplémentaires. T'es con, tu. Est-ce que cette robe m'apporte quelque chose? Non, je sais pas. Elle t'apporte de l'élégance, de la beauté. De l'élégance! Et t'as peut-être charisme plus 1 ? Plus 3 en swag. C'est ça. Que faites-vous, s'il vous plaît ? On va sortir, non ? Ouais, moi, je tirais bien sur le matelas, là. Où il y a le ninja, pour voir ce qu'il y a. T'es toujours à poil sur le lit, là ? On n'a pas regardé sous le lit, j'ai l'impression. J'ai un jet de force. Oui. Il est chaud, le ninja. Mais je te dis ça comme ça, là, t'es à poil, hein, fais quelque chose. Hein. Oh, ça passe pas, ça. Et là, on te part, hein. Ça passe. Normalement dans ma vie, hein. Ok. Et tout de suite, hein. Non, ça doit être inférieur à ce qu'on a à mon chiffre, c'est ça? Ouais, inférieur. Non. Ok. Donc tu arrives pas. Bah, je me baisse et puis je regarde sous le lit. Y'a rien. Bah, je me casse, hein. Moi, j'attends que tout le monde vienne et j'attends devant le couloir. Je prends le pot à pipi, hein. Je te rejoins parce que. Mais Rose, tu le prends sur toi. Et je vais le jeter sur Bacchus discrètement. Pleine gueule. Je me mets derrière Lily Rose, je pousse encore de toutes mes forces. Je balance le contenu à la gueule. Putain, t'es chiant. Arrêtez avec votre merde et votre caca. Arrête avec tes pousseries. Tu me fais un jet d'adresse. Oh putain. Ah merde. Adresse du coup. Non, ça passe pas. Ok. Ça tombe malencontreusement sur personne, puisque Bacchus est. Ok. Ça tombe sur personne.
Je lance une petite fléchette de feu noir au passage. Non, je suis pas. Déconner, non. Tu n'as plus. T'es limité en énergie astrale, tu ne peux pas là. Ok. C'est que quoi, fait qui va me buter? Je pousse Lily Rose de toutes mes forces dans le couloir. Tu sais, je suis un hobbit, tout le monde en joue au lancer de hobbit. On a branlé. Moi, je te fais un câlin. Oh putain, t'es pas sérieux. Juste au moment. On a échangé nos rôles. Juste ouais, au moment où tu allais la pousser, il y a prêtresse Putassia qui interpelle. Tu sais pas trop pourquoi, mais ça parlait de saints et de. Un truc de fille. Couleur. Et du coup. Couleur, t'as dit ? De couleur. De douleur. Non, de douleur. Du coup, elle s'est retournée et toi, bah, t'es tombé à la renverse. Tu t'as déclenché un moment. Tu avances, du coup, tu fais une roulade. Hein. Tu perds pas de points de vie à ce moment-là. Le problème, c'est que tu entends un clic juste au moment où tu te rattrapes sur les fesses dans la dernière roulade. Est-ce que je peux arrêter de bouger pour garder le clic de pied. Ok. La puissance des jeux. Échec. Je perds 6 points de vie. Vie. Boum. Je vais crever. Du coup, j'en prends 19 PV. Je viens de te prendre des fléchettes. Cool. Ça lui apprendra un peu. Tu as 30 il peut les récupérer pour son arc. Je veux qu'il me rende ma hache. Tu sais, il va au bord de la mort. Prends-moi. Je serais mort avec ma hache. Je me trouve des blocs. Tu as 3 fléchettes dans le corps. Du coup, il est dans le couloir, ça. Je suis bien là. C'est super. Je suis où dans le couloir à peu près du coup? T'es arrivé là. Là? Ah, j'ai roulé loin quand même. T'as bien avancé. Ouais. Genre, le couloir est petit mais. Juste ça roule bien là. Hein. Donc là où belle chute. Tu es en fait, tu vois une. Enfin, non, tu ne vois pas justement. C'est une. Comment. C'est une salle sombre et qui est pas du tout éclairée par contre. Tu vois pas là. Qu'est-ce que tu vois? Ah, rien! Bah, moi, j'arrive vers lui, puis je regarde, et puis on papote un peu. Ouais. Et puis j'allume mon briquet. On se pose des questions sur ce qu'il peut y avoir derrière, dans la petite salle. Je vais le dire! Et je sors mon briquet et je fais. Oui, je suis. Voilà. Alors, ton briquet, ouais, il allume que dalle, quoi. Tu vois. Bah, je vais chercher le tapis. On va allumer le tapis. Et puis on va allumer le tapis. Ouais. Et on va le lancer un peu plus loin là-bas. Très bien. Je prends mon briquet, je prends le bout du tapis, j'essaie d'y couper le feu. Ok. Ça marche? Ouais, tu allumes le tapis, pas de soucis. Et cool. Ça flambe bien. Je recule. Qui le lance là? Moi je suis chaud pour le lancer. Moi, ouais, moi aussi, je prends l'autre bout. Et... On le lance à deux? Deux. Faites tous les deux jeux un jet de force et d'adresse. C'est 20 et 6 non, c'est... non, tu fais 2 20. Je suis seul qui est pas bon. Bacchus réussit tout seul. Ok. Il y a 3, hein, force. Voilà. Mais vous venez de me lancer ici. Du coup, vous voyez un sol terreux. Terreux. Ah, c'est bien, ça prend pas feu au moins. Et il y a quoi sur les côtés là? On voit ou pas? Bah, vous avez aperçu des pylônes en pierre au moment où le tapis passait. Là et là. Je vous les éclaire juste. Et normalement, enfin là, vous ne les voyez plus actuellement. Que faites-vous? Lily Rose et le ninja, vous êtes tout derrière là? Ouais, j'arrive, hop. Mmh. Ils étaient seuls tous les deux. J'attends quand même. Mmh. Oui, mais je l'ai aidé à se rhabiller. Mmh. Allez, fouiller moi sur les côtés si je trouve pas quelque chose. Tu rentres dans la salle? Ouais, sur le côté là. Là, là? Non. Dans les alcôves là. Des quoi? Ça c'était des pièges, on est d'accord, c'est les pièges avec les fléchettes. Non, non, il y a des... c'est pareil en fait. Enfin, c'est un râtelier avec, mais y a rien dessus. Ninja il fait l'éclaireur, mais de derrière. Le déclaireur. D'éclair. Et les petits ronds en haut et en bas, t'as dit que c'était quoi là? Les piliers. Les piliers, d'accord.
Je vais me cacher derrière un pilier, moi. On voit que ça commence à être arrondi, alors on essaie de suivre l'arrondi pour faire un peu le tour. Je constate qu'on a un pied. Ok. Tu marches dans le noir. Ok. Y'a pas peur. Tu okay. vois rien. Enfin, tu vois rien. Tu vois pas devant toi. Moi, je me fous devant et je hurle. Qu'est-ce qui est dur et long et qui brille dans le noir? Et je hurle ma bite. Et là, j'allume mon bâton. C'est ma bite. C'est une incantation, ça? Oui, c'est une incantation. Caresse moins 10. Ça marche bien. Ah, ça marche. Déjà, tu peux le foutre. Bah moi, ma bite, elle ouvre même pas les portes, alors. Ok. Vous avancez tous? Ouais. Oui. Bah, moi, j'avance. Moi, je reste... De visibilité du patron, quoi. Je reste sur la pierre du couloir, là, parce que je me dis, il y a de la terre, il va y avoir des nécrophages, encore. J'ai monté en niveau, j'éclaire un peu plus, hein. Ouais. Waouh. Ok. Ouh. Que faites-vous? Moi, je me cache derrière le pilier, comme je disais tout à l'heure. Je me cache à côté de Beclus, genre pas discret, tu vois, les deux pauvres types d'un pied. Moi, je vais faire une détection du lieu, si je trouve une aura magique, pas. Bonne détection, ça marche à chaque fois. Vas-y, fais-moi une détection de magie. Ça passe. Je sens de la magie. Et caché derrière un mur. Un mur, hein. Je sens pas à quel mur. Non. C'est devant moi ou derrière moi? Plutôt devant toi. Ok. Bon bah j'avance. Rien à foutre. Okay. Allez gars, venez, j'avance. Donc là, tous ceux qui sont pas autour depuis la piste se retrouvent de nouveau dans le noir. Ah merde. Ah merde. Avec, je suis plus la piste. Je suis alors. Ok, on peut le suivre à l'odeur. Hein. Je suis plus la piste. À l'odeur, c'est pas difficile. Au moment où vous êtes tous dans la salle. Oh putain, je dois dire rester là-bas. Il y a la herse qui se ferme derrière génial. Vous. Génial. Que vous n'aviez pas remarqué. Eh le nain, tu peux encore passer sous les barreaux, non? Ouais, tu veux pas passer sous mon barreau? C'est moi qui le fais. Ok. Donc une herse vient de se fermer. Et vous entendez une voix devant vous. Qui s'adresse à vous, qui fait félicitations voyageurs, vous avez réussi à venir jusqu'ici. Vous êtes tous donc tout à fait dignes de participer à ma petite expérience. Et oui, vous êtes bêtement tombés dans mon piège et voilà que vous allez maintenant pouvoir tester les capacités de ta nouvelle expérience. Et je vous présente. Il s'appelle Henri et c'est un golem de chair mutant. Génial. Il a un gros kiki. De la bonne chair. Oh, j'adore les arènes. Oh, ok, on est dans un truc médiéval et il y a des messages pré-enregistrés. C'est ça, ouais. On va jouer. C'est un magicien. Un magicien très puissant. Bon, ouais. Henri qui est un gros kiki, faut le buter alors. Bon. Non, juste on peut au moment. Devenir copain avec lui. Moi, je propose que les gladiateurs ils se battent dans une arène. Ouais. On va voir un duel. Non, j'ai pas envie. À main nue. J'ai pas envie. Je me battrais si on me file ma hache. Est-ce qu'il me reste un peu de. Négocie. D'énergie astrale. D'énergie, ouais. Ouais. Parce que je pourrais sortir le marteau de. Ben. Lancer le sort marteau de Jarmas qui m'augmente mes bonus de dégâts au corps à corps avec mon bâton. Quel pouvoir, hein. Et je prononce Sbadolo. Et je lance. Ben, et je vais attaquer la chair mutante. Tu fais d'abord ton jet de magie. Sort si ça marche. C'est psychique. Ok, ça passe pas. Ça marche pas. Ça a pas marché. Ok, vous voyez la chair, l'abomination hein, qui tourne autour de vous. Et elle tourne très vite. Très vite. Que fait-il ? Du coup, c'est éclairé ? Ouais, du coup, ça vient de s'éclairer. Tous les piliers viennent de s'éclairer. Je fais des économies. Est-ce que je peux faire mon corps de défense ? Lancer l'appel ?
En fait, ça impressionne les ennemis. Et si ça marche, enfin ça marche que sur les ennemis peu intelligents en fait, qui ont moins 10, moins 10 d'intel. Donc je sais pas si là c'est possible. Tu verras bien. Et donc ça provoque sa fuite, donc ça fait qu'il va, il va être un peu désorienté quoi. Désorienté, ouais. Ok, vas-y, essaye. Alors c'est moyen entre mon charisme et mon adresse. Alors j'ai 13 en charisme et 18 en adresse. Alors. Ça fait du 15, ça. Ouais. C'est bon. Ok, ça passe. Tu sens que le truc est désorienté. Il court plus. Il court plus autour de vous. Il regarde vers, vers là-bas. Il s'écarte un petit peu. Que faites-vous? C'est du tirer une flèche. T'as un ok. Marque. Je l'ai droppé oui, après ça. Un jet d'adresse, s'il te plaît. Ça passe pas, ça. Ça passe pas de 1 point. Ok. Tu tires la flèche et passe à côté de lui. Bacchus, tu as joué Burin, que fais-tu? Du coup, là, le chien mutant, il ne regarde pas, en fait. Non, non, il est dodo à vous, là. Hein je vais me mettre par là, derrière le pilier, et je vais essayer d'attirer son attention. En faisant des cris. Par ici. En faisant briller ton corps au top. Et en me caressant le téton comme ça avec mon corps huilé, pour voir si ça l'attire. Est-ce que tu fais bouger l'élastique du string? Bien sûr, je me retourne et je le fais claquer comme ça. Enfin, j'ai de charisme, s'il te plaît. Tu perds 3 points. Tu perds 10 points de vie. Charisme. Non, ça passe pas. Putain. Okay. Ouais, il y a aucun charisme en fait. Il te regarde. No care. Regarde. Plus la piste, que fais-tu? Je le regarde droit dans les yeux et je fais « Toi, monstre des ténèbres, crains ma puissance !» Et là, j'enflamme tout mon corps. Je fais apparaître un halo de flamme autour de moi. Ça sert à rien. Barbec, parti ! Avec Ghost Rider. Avec... Est-ce que ça, c'est un cochon grillé ? Ça va sentir le foutre grillé. Ça passe. Ça sent la pisse chaude. Du coup, il perd moins 2 en courage. En... Vous voyez plus la pisse qui est tout enflammé là. Vous comprenez qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu fais? Vous le trouvez chaud. J'inspire de la crainte chez mes ennemis. Prêtresse Putassia, que fais-tu? Bah écoute, vu qu'il est sensible à aucun de mes sorts et puis que j'ai juste un pauvre bâton, je vais me cacher derrière quelqu'un, comme ça je reste au centre. Comment puis tu j'attends. Sais qu'il est pas. Bah il est pas très humanoïde vu sa taille. Ouais. Donc, vu que mes sorts ne. Sont sensibles que sur des humanoïdes, si possible du sexe opposé. Peut-être qu'il est fait avec des bouts d'humains et que ça reste un humanoïde du coup. Je peux tenter, mais. Non, je vais essayer. Écoute, moi je préfère me cacher derrière Pulapis qui brille de mille feux. J'attends. Pas, je suis en flamme. Voilà. Mais je reste à une distance. Tu vois. Mmh. Ouais, tu mets les mains j'attends. Comme ça et puis tu. Je panique un petit peu. Je sors mes gants au cas où, mais c'est juste la panique. Je fais rien de plus. Ok. Pulapis, tu le vois se retourner vers toi. Parce que ton halo de... De comment... Le flamme. Le flamme a attiré sa... son regard. Alors, du coup, je vais jouer pour lui. Et merde. Ouf. Je vais lui faire peur. Ok. Un peu cher. Tu vois aussi. Une énorme main avec des griffes arriver vers toi. Et toi? J'esquive, je me barre. Vas-y, tu me fais un jet s'il te plaît. Ouf. Dis-toi, tu vas lui cramer la main. Tu veux faire un bordel? C'est des illusions, ça fait je pas lui lance dégâts. Une fléchette noire dans la main pour qu'il ne frappe pas plus la pisse. Ça marche pas. Tu perds 9 PV. Oh putain, les gars qui arrivent. Et tu viens de reculer de 6 mètres. Ouf. Non, même là, parce que c'est plus logique. Ok. Que faites-vous? Panique. Burin, non pardon, Bacchus, que fais-tu? Euh...
Bah, je vais lui lancer, je lui relance ma fléchette. Ok. Ma flèche noire, je vise la figure. Ok. Donc, ça me coûte 3 PA et ça lui ferait 1 D plus 3 avec un bonus d'intel. Tu me fais un jet d'intel, s'il te plaît. 12. Okay. Et j'ai 8 d'intel, ça marche pas. Putain, t'es con pour un mage. Ouais, très con. C'est un mage chelou. Ok. Burin, que fais-tu? J'essaye de retirer son attention encore une fois en restant un peu derrière le pilier. Et pareil, je remonte mon cul et je fais claquer la ficelle de mon sein. C'est moi qui se dirige vers toi. Cool! Prêtresse Putassia, que fais-tu? Ok, vu qu'il me tourne le dos, je pourrais essayer de l'attaquer avec mon bâton. Vas-y. Fais ce que tu veux avec ton bâton. Hé! Ok, ça passe. Dans le cul. Il est de dos. Tu as dû te rapprocher, hein. Ah. Ok. Lily Rose, que fais-tu? Alors, moi j'ai vu ma compétence, j'ai des lunettes. Donc en fait, je vais esquiver des attaques, 5 attaques. Et donc l'ennemi, comme il est très énervé, il va s'acharner sur moi pendant 5 assauts. Ok. Moi, par l'instant, je peux pas l'attaquer, en fait, je peux juste esquiver. Mais comme il va m'attaquer pendant 5 fois, bah, ça laisse les autres peut-être le temps de faire quelque chose. T'as un bonus esquive, c'est ça? En parade? Non, en fait, je vais esquiver toutes ses attaques, forcément. Ok, d'accord, tu fais ça, très bien. Tu attires son attention, tu fais ça, ok. Ouais, et ça va l'énerver, donc il s'acharne sur moi. Oh putain, ouais. Ok, ça passe. Ça marche bien. Nickel. Ok. Et donc là, il est concentré sur toi, il ne sera concentré que sur toi parce que tu chantes un truc qu'il aime pas du tout, du tout. C'est... Ça s'apparente à du Justin Bieber. C'est un... Du maître Gims. Oh baby, 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 ouais. Le ninja, que fais-tu? Je cours comme un dératé en sortant mon katana. Ouais. Je le tiens au niveau des hanches là. Je cours jusqu'à lui trancher un bout de peau. Cher. Vas-y, je me fais un jet d'adresse s'il te plaît. Ok, très bien, ça passe. Tu me fais jet de dégâts. C'est plus 3 toi, hein. Plus 3, ouais. Vas-y, nique-le. Ok, ah ouais, t'as rajouté. Ok, très bien. Ok. Bah très bien, bah du coup il essaye d'attaquer Lily Rose, mais elle saute partout là. Du coup ils se déplacent tous les deux. Tu fais des tours de salle. Puis la piste, que fais-tu? Du coup je suis toujours enflammé, je vais me mettre un sort de vélocité sur moi et gagner en vitesse. Gagner plus ma vitesse, multiplier ma vitesse par 2. Ok, très bien, vas-y, fais-moi un jet. Il y a plus de... Ouais, ça passe. Ok, très bien, tu vas plus vite. Bacchus, que fais-tu? Moi, je demande à Lily Rose qu'elle me prête ses bottes. Elle est prête, je demande bien, je dis bien. C'est les bottes de charge, et puis je lui fonce dedans. Si elle accepte, je lui propose qu'elle me les prête, et puis je fonce dedans. Bah, je sais qu'il va pas mieux. Faut qu'il fasse un truc de charisme. Mais qu'est-ce que je suis en chaussures? Ah oui, parce qu'elle est encore en train de se faire attaquer. Ouais, elle l'esquive là. En plus. C'est un humanoïde ou pas? Pas vraiment. Est-ce qu'il a des couilles? Ouais, il a des couilles. Il y en a plusieurs ou pas? Je lui fais une petite attaque compression des gonades. Ça peut le déconcentrer, il lui fait perdre du temps, il va s'immobiliser. Ah, ok, comme tu veux. Vas-y, fais-moi ça. Ok, ça passe. Tu me fais 2d6, s'il te plaît. Donc Lily, tu vois qu'il est encore plus... Non, ça multiplie pas, ouais. Ça, t'as fait 10, là. Du coup, Lily, tu vois que
Il se tient l'entrejambe et il vient de tomber par terre. Ton sort est toujours actif, mais tu peux faire autre chose là. Que fais-tu ? Ah ouais ? Ouais. Tu peux l'attaquer ? Vas-y. Bon, bah, je lui donne un gros coup de gourde. Ok, vas-y, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Enfin, j'ai que dalle en force à chaque fois. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Tu l'enfonces ton gourdin dans le nez et tu as plein de morve dessus. Voilà, bravo. Burin, que fais-tu ? Tu vois qu'il y a terre qui se tient, il est à genoux. Ouais. Du coup, bah, je vais vers lui, je dégaine mon épée et je lui vise un des genoux, le genou gauche. Ok. Et j'essaie de taper toutes mes forces pour lui éclater le genou, pour pas qu'il se relève. Ça passe. Je fais jet de dégâts. Ok. Okay. Blablabla. Traîtresse. Putatia, que fais-tu ? Bah écoute, j'irais bien soigner Burin ou je ne sais qui pour le combat. Je dis que tout le monde a peu de PV. Essaye d'aller soigner le plus faible, essayer de me rendre utile comme je peux. Combat, hein. C'est très compliqué, tu peux essayer, mais ça va être plus difficile. Si on se cache derrière un poteau. Ça va te demander un petit peu de temps. Ok. Ok. Bon. Ça passe pas. Bah ça passe pas. Ok. Le ninja, que fais-tu ? Vu qu'il est immobilisé, j'essaie de lui décocher plusieurs flèches les unes après les autres. Ok. Tu me fais un jet d'adresse moins 5, s'il te plaît, alors. Combien de flèches ? Dans un premier temps, 3. Ok. Bah, moins 10, alors, s'il te plaît. Oh, putain. Si tu réussis à quel ça. Oh, sans manger une flèche. Oh, putain. Il a fait un critique, ça fait 1, non ? 6, moins 10. Je comprends pas le moins 10, mon truc. Non, c'est que t'as fait 20 moins 10, donc t'as fait échec critique, là, mon grand. Ouais, t'as fait un 20, en fait, là. T'as fait un échec critique. Génial. Enfin, en gros, c'est moins 10, ça veut dire que tu rajoutes plus 10 à ton jet, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu t'es tiré une flèche sur toi. Là. Ok, tu viens de... Non, il va nous tirer sur nous. Ah ouais. Ça merde. Ça va, je suis pas... Ah si, je suis en place. Ok, Lily Rose, tu perds 5 PV. Ah, putain. Là, j'ai encore un petit rire de bâtard. Tu perds 3 PV. Et Bacchus, tu perds 1 PV. Qui perd 3 PV ? Burin. Lily. Anne. Lily 5, Burin 3 et Bacchus 1. Vous génial, avez pris chacun une flèche. Il te reste plus que 2 flèches, le ninja d'ailleurs. Oh, il peut les récupérer. Attends, elles sont encochées dans. Perdu, parce que 5 Lily, 3 Burin, 1 Bacchus. Ok, il se relève. Votre course effrénée reprend, Lily Rose, juste après que tu te sois pris une flèche dans l'épaule. T'as un peu plus de mal à le faire. Tu me fais un jet de courage, s'il te plaît. Ok, alors. Ça passe. Okay, ça passe. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'enchaîner, là. Vous... Je vais lui courir dessus le plus vite possible avec un bonus de vélocité, mon bâton en avant, et essayer de le planter dans le corps. Ok, tu me fais un jet de force plus 10, s'il te plaît. Oh. Putain, okay, tu fais 9. Ok, ça passe, je pense. Attends, je suis pas sûr. Du coup, force, c'est l'attaque, on est d'accord ? C'est force. Non, force, non, c'est 12, ouais, ça passe. Ok, ça passe, tu me fais un jet d'attaque, s'il te plaît. Attaque. 13, ouais. Ça passe pas. Non, 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 c'est D6. Ah, D6, un des dégâts, d'accord. Un D6, tac. Okay. Très bien. Burin. Pareil, j'enchaîne et j'essaie de lui taper dans le genou. Encore, j'insiste sur le même. Tout à l'heure. Tapez. Merde, non, ça passe pas. C'est pas grand-chose, mais ça passe pas. On est des merdes. On est nuls. Je fais mal. Ah, j'aurais mal, je serais plus simple. Attaque-le, toi, prêtresse. Mais j'ai 2 secondes. Fais-lui un coup de latex. Je lui ai donné un coup de gant en latex. Un coup de martinet. Un coup de martinet. Je peux. Non, je vais le taper avec mon bâton, j'ai que ça, ça va lui faire un souffle, quoi. Là, vas-y, fais ton jet. Allez. Ça passe pas. Bacchus, qu'est-ce que tu fais ? Bah, pareil, j'attaque avec mon bâton. Ok. Ça passe. Ah, enfin ! On dirait le. Je ne sais pas. Un jet d'attaque ? Un jet de force ? Ouais. Dans D6. Ok. Pulapis, qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes au corps à corps. Ouais, tout à fait. Je vais lui remettre un coup de bâton
Je vais essayer de viser. Il a une sorte de tête ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, il a une sorte de tête. Ouais. Je vais essayer de lui planter mon bâton dans les yeux. Ça marche bien à chaque fois. Je vais faire un jet de force et un jet d'adresse. Jet de force, ok. Waouh! Jet d'adresse, ça passe pas, je pense. Adresse, non, ça passe pas. Ok. T'as combien en adresse? J'ai 10. Ok. Bon, t'arrives à viser la tête, quoi. Ok. Tu me fais le jet de dégâts, s'il te plaît. Marche. J'ai plus ça en dégâts par contre avec mon bâton. Burin, je viens de voir ça. Ouais. Je vois avec mon épée, j'essaie de lui éclater la jambe. Vas-y. Jusqu'à ce que ça passe. Ah. Allez. Okay. Allez. Ouh, tu arrives à crever. Tu lui éclates la tête. Il tombe dans la jambe. Ok. Bon. Tu visais la jambe, mais t'as pas réussi. Okay. T'as eu la tête. J'étais trop grand. Ouais, il est trop grand. Il s'étale au sol. Oui. Cool. Dans un râle. À moi XP. Dégueulasse. Je suis votre. Vous me faites tous un jet d'esquive, s'il vous plaît. Oh putain. Oh il fallait que ça arrive maintenant. Oh putain, sérieux. Il fallait que ça m'arrive maintenant. Les noobs. Ah les noobs. Ok. Burin, tu perds 5 PV. Bacchus, t'as réussi? Parade, c'est 10, non. Tu perds 5 PV. Lily Rose, ça passe, du coup. Evenlot, le ninja, tu perds 1 PV. Ok. Vous êtes comment niveau PV, là? J'ai 9 PV, j'ai moi. 11. Oh, moi, je suis bien. Moi, j'en ai 14. J'ai pas 9, j'ai 11. Je suis à 14. Je vais pouvoir faire mon champ de soins. Ouais, là tu peux, ouais. J'ai pas Gabriel Buck. Par contre, tu m'as pas dit, moi, Malkai. T'as raté, toi? Ouais, j'ai fait un échec critique. Ah, bah tu perds 10 PV. Allez. T'as pas mis de tu me dire. Oh, merde. Oh putain, ça fait mal. Il est au bord du gouffre. Je suis à 4, du coup. Oh putain. Le pire, c'est qu'on a perdu plus de PV en se tapant dessus tout à l'heure qu'en tapant le monstre, en fait. Non, j'ai réussi. J'ai fait que des réussites critiques à esquiver les coups de Fab. Hein. J'ai rien fait. C'est pas ma faute. J'étais bourré. C'était mon autre moi. J'ai perdu qu'un PV. C'est parti. Ok. Et on va faire une petite pause. Oh. Hey. Oui. Et on se retrouve dans 5. Ah. Ouais, et préparez-vous à la chanson de Cabrel après pour les soins. Ah, tu vas soigner tout le monde. Je vais me soigner tout seul. Hein. Moi, je vais demander à un autre mage. Soigner. Je peux réparer les. Tu vas soigner, t'as un nain. Moi, je peux réparer. C'est quoi cette règle? À tout de suite. Non, c'est vrai.
ont été tirés ici. Allez-moi. Il y a une espèce de meurtrière ici, là. Lily, juste en face. Vas-y, reste avec devant. Sa tête devant. Non, attends. Essaye d'attraper les flèches avec ta tête. Avec ta tête. Hop. Là. Je suis bien là. Ok. Que faites-vous? Bah, je rampe, et puis je vais voir... Toujours personne qui peut me soigner. Sous la meurtrière, et puis je vais passer ma main. Faut qu'on arrive à trouver un endroit. Pour voir si ça retire encore. Tu passes ta main, il n'y a rien qui se passe. Je vais prendre des strips, moi, du bonhomme mutant. Mais what the fuck, c'est quoi ces fétichistes, là? Ramasse les pièges. Je mets deux strips que j'enroule. Ramasse les flèches. Putain, j'y arrivé. Tu ramasses les flèches. C'est parce que tu n'as pas l'accent ninja, hein. Pas l'accent. C'est ça. Ok. Donc vous êtes devant cette meurtrière là. Ouais, je me cache derrière le miroir. C'est un mur. Eh, le nain, tu passes pas dans le trou? Ah, attends, je vais essayer. Bizarre. Avec ton huile, ça doit glisser. Moi, je pense qu'il y a forcément un passage secret, faut contrôler la bibliothèque du mec. T'inquiète, on va pousser. Mettez le nain avec lui, ça va passer. Ok, vous me faites un jet de force s'il vous plaît, ceux qui poussent. Allez. Attends, j'ai pas signé pour ça. Moi si. Ok, bon, t'es proche de l'échec critique. Est-ce que je sais, mais dans l'autre sens. Allez, Bacchus! Non, t'as fait un D6. Alors, au moment où vous poussez. Attends, j'ai fait un D6, je crois. C'est un T20, non? Ouais, mais ça. Ouais. Bah, moi, je considère que t'as fait une réussite critique, on s'en fout. Ok. Du coup, au moment où tu pousses le nain, bah, il y a le. C'était de la terre, en fait. Du coup, ça s'effrite complètement et vous tombez dans un couloir. Eh bien joué, le nain. Cool. Je t'allais. Check. C'est grâce à moi. Hein. Et là, on fait un combat de boue. Je prends de la boue. Ok, nous les filles, on vous regarde. C'est pas de la boue, c'est de la terre sèche. Ah, bah je pisse dedans, ça fait de la boue. Merci à nous, là. Là, on est déjà tous barrés. Tu n'as pas envie de faire pipi. Ok, donc vous arrivez dans un couloir. Que faites-vous? Bon, on y rentre. Je vais faire une petite détection quand même de magique. Ok, vas-y. Trois détections, trois échecs, il insiste. C'est pas Lily Rose. Allez, ça passe. Là, t'es convaincu, tu sais qu'il n'y a rien du tout, quoi. Tu sais allez. Que l'histoire a bien réussi. Je ne sens rien du tout. Bah, Ninja, il faudrait qu'il avance, là, en mode furtif. Allez, Ninja! On lance le ninja dans le couloir. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. C'est un truc grave. Non, bah, c'est prêtresse putassia. Tu me fais un jet de force. Ouais, elle a dit qu'elle jetait ninja. C'est aux forces. Ça passe. Si vous voulez pas faire des actions, vous ne les dites tout simplement pas. Ah non, moi je le pousse. Okay. Hein. Donc le ninja, tu viens de te faire choper par le par la culotte et envoyé par la prêtresse. Du Valdingue à l'autre côté. Parce que je suis violemment raciste, donc c'est toi que je lance en premier. Voilà, t'arrives là. Rien ne se passe, tu roules tranquillou. T'as pas bien compris ce qui s'est passé, mais. Un peu normal, mais il a pas de problème, on peut inventer. Non, on aurait dû lancer les nains, il aurait fait ventre glisse jusqu'au bout du couloir. Trop lourd. Ce serait mieux à trois. Que faites-vous, vous avancez? On suit le Tu avances? Il est à terre ou pas? Non, il est sur ses pieds. Hein, de continuer à avancer. Sinon, je l'aurais fait rouler. Vous arrivez au bout du couloir. Vous continuez à avancer sans encombre, il n'y a pas de souci. Ouais. Okay. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre. C'est Tour Jean d'Or, combat final, s'il vous plaît. Ouh là là. On se demande ce qui va se passer. C'est rond. Ouh là là. Il combat final. J'ai encore perdu mon perso. Là là. C'est normal, ça. Oui. Et elle me touche. Ok, vous arrivez par la porte là, s'il vous plaît. Poche rose. Ouais, c'est joli. Poche rose. Allez, t'es mort. Ah non. Ok. Du coup, la porte est ouverte. Ninja en plein milieu. La porte était ouverte, effectivement. Ok. Donc, vous êtes dans cette salle. Que faites-vous? Détection. Direct. Tu me fais une détection de la magie? On attendait. Ça passe, ouais. Ok, tu sens une présence.
Ok, ça passe. Donc je fais un dé de force. D6, s'il te plaît. Ok. Et donc plus 3. Ouais. Un gros coup là. Ok. Lily Rose, que fais-tu? Au début, je voulais faire un sort pour accaparer son attention, mais comme Putassia elle l'a, je vais à l'attaque avec mon gourdin. Ok. Donc je vais sur lui là, pop. Voilà. Tu me fais un jet de force. Ouf! Ça passe. Tu me fais 2d6, s'il te plaît. Ok. 8. Tu le doublais en fait. Ok. Très bien. Il est toujours accaparé par prêtresse Putassia. Tu lui montres toujours ta poitrine opulente, prêtresse Putassia. Décaté. Ok. Je suis sûr qu'il a 50 PV. À toi, le ninja, que fais-tu? Moi, je passe derrière un peu mode furtif. Et je frappe lâchement. Multiplie la T par 2. Ok. Vas-y. Je suis un D6, c'est ça? Tu fais d'abord ton test d'adresse. Ouais. Oh, ça passe. Ça passe. Ouh! Ok. Il s'écroule. Il vient de tomber. Il est mort. Oh putain, on a été bons là, les gens. Comme nous. Ok. Donc vous êtes dans cette grande salle. Il y a énormément d'armoires tout autour. Que faites-vous? Moi, je vais voir le livre. Vous avez vos deux amis qui sont... Moi, je fouille le corps. Qui sont en train de... d'agoniser par terre. Bah, ils l'ont bien cherché depuis tout à l'heure. Ils se battent, ouais. Les gosses. Ouais, voilà, hein. Mais TKT, je vais leur faire les fesses après avoir fait les fesses du vieux mage. Ok. Tu fouilles sur le vieux mage? Oui. Ok, très bien. Ça doit avoir plein de trucs. Vous me faites tous un jet, s'il vous plaît. Qui fouille où, en fait? Moi, je fouille dans les poches. Ok. Alors... Prêtresse Putassia, ok. Prêtresse Putassia, tu trouves une bourse. Ah. C'est ce qui t'attire le plus. Il y a 100 PO dedans. Ouais, pas mal. Et une potion de soin majeure. Oh, popopo. Lequel des deux va en profiter? Bacchus, toi, tu trouves un bâton. Cool. Il donne quoi et on sait ou pas? Le... Tu me fais un sort d'identification, donc c'est intelligence, s'il te plaît. Ok. Attends, pas mal. Est-ce que je peux fouiller le corps de... depuis la pisse? Il est pas vraiment décédé. Il est... Enfin, là, il est... Thomas. Il est pas bien, quoi. J'avais 8 d'intel, donc c'est tout. Et oui, tu peux, bien sûr. Je vois pas ton sort, en fait. Tu vois pas ton jet, Fabien. J'ai 19. J'ai une barrière anti-vol en piste. Ok. Non, tu arrives pas à identifier ce qu'il fait. Mais tu sens qu'il y a de la grosse magie derrière. Et toi, Lily, tu lui piques sa robe, en fait. Ouais. Elle est pas en très bon état. Mais ouais. Tu sais que tu peux pas la mettre. C'est une robe de sorcier. Ça a une certaine valeur. D'accord, je pourrais la vendre, voilà, un petit prix quand même. Ouais, ok. Pardon, Bacchus, tu trouves un pendentif. Le ninja, toi tu fouilles plus la piste du coup. Le traître. Qu'est-ce que tu as sur toi, plus la piste? Des vêtements qui puent la pisse. J'ai mes deux grimoires, mon manuel de potions, un mètre de boyau que j'ai récupéré, j'ai mes bottes, ma robe, mon bâton, et ton honneur, le papier du début. T'as fait 17, ok. Tu trouves des boyaux, des papiers, tu trouves pas d'or, Evenlot, si c'est ce que tu cherches. Il est caché de moi.
Ah non. Ah bah voilà. C'est pas celui-là. Ok. Donc vous avez toujours vos amis qui sont en train d'agoniser là. Il y en a un qui est en train de le fouiller. Ok. Vous avez fini de regarder ce qu'il y a. Oui. Toi, Bacchus, il y a quelque chose qui attire ton attention. C'est des cristaux qui sont posés sur une étagère. Oui. Eh ben... ils ont une aura bleue. Ils sont là. Il y en a trois. Ils sont où ? Ils sont sur l'étagère. T'es tout rouge, t'es dans la merde ? Ouais, j'ai quatre. Je les regarde, je me rapproche, je souffle un peu dessus pour enlever la poussière. Et puis je suis plein d'audace et puis... Tu sais que c'est des cristaux de mana. D'accord, bah je les prends. Trois cristaux de mana. Je les prends, je prends les trois. Ok. Voilà. C'est je peux aller vers les coffres qu'il y a tout à gauche ? Oui, bien sûr. Ah. Personne compte nous raser en fait à un moment, c'est ça ? Moi je peux pas. Tu peux pas parler, t'es agonisant. Ouais, je sais, mais hors RP du coup. Est-ce qu'on peut essayer de ramper pour essayer de s'attraper la main avec Burin en mode. Ouais, je lance un dernier regard. Face à face comme ça. Viens. Et se rouler une pelle. Ah non, il pue. De détection, s'il te plaît, Lily. Alors, c'est dans. Je crois que j'ai pas le. Non, mais tu fais un jet comme ça. Ah merde. Ouf. Je trouve un nécessaire d'écriture de voyage. Bon, c'est toujours ça. Des fioles vides. Bon. Ok. Bon, pendant qu'il y a les deux qui se rapprochent, je vais essayer d'en réanimer un quand même. Celui qui pue le moins. Hein. Je vais aller voir les deux tableaux qui sont autour de la cheminée, des fois qu'ils veillent de la valeur. Picasso ? Il n'en sait absolument rien. Tu n'as aucune culture à ce niveau-là. T'es complètement con aussi. C'est une grosse merde. Tous tes jeux d'intelligence, tu les rates à chaque fois. J'irais quand même bien voir le livre, moi. Okay, tu me fais un jeu d'intelligence, putain, s'il te plaît. Ok, ça, t'arrives à le réanimer. Tu as trouvé l'organe qui était le point sensible. Donc tu t'es introduit par son urètre et tu as appuyé très fort. Ça l'a réveillé. C'est trop matinal, j'ai mal. Et sois content, t'es réanimé. Il est comment niveau PV ? Il est 1, c'est ça ? Il y a 1 PV. T'es dans la merde. Mais je suis pas mort. Et t'es caté, on va se mettre dans un petit coin tranquille. Ok. Ils ont vu tout ce qu'il y a vous perdu. Continuez de fouiller ? Bah écoute. Je suis plus ou moins sur pied du coup, est-ce que ou quoi ? Alors fouiller des culottes. Non, un peu rampant. Faut qu'on t'aide pour marcher là. Ok. Bah moi je vais l'aider et puis je vais le récupérer et on va aller voir les cartes là. Les cartes, ok. Et ce fameux bouquin, alors, il y en avait un ou pas ? Un bouquin où ? Celui à droite. Sur la table ? Ouais, oui, il y a un bouquin, effectivement. À droite. Le fameux bouquin. J'y vais. J'y vais. Secret ténébreux de l'antimonde. Ah oui, c'est vrai. Je vous le rappelle. Ok. Vous trouvez... qui est... C'est Lily ? Ah, tu te déplaces hyper vite, toi. J'ai des petites jambes, mais je cours vite. Le ninja, lui, il bouge pas. Il fait rien, lui. Ok. Mais tu trouves... C'est un livre. Compendium des ordres néfastes. Tome 1 et 2. Ça pèse très lourd. Compendium des ordres néfastes. Ouais. Tu sais que ça, c'est juste de la lecture. Hein. Ça t'apportera rien, quoi. Ok. Ok. Vous, ceux qui sont près de les cartes là, vous. C'est des cartes de la Terre de Fang, à diverses époques. Vous savez que ça a une petite valeur, mais c'est pas. Je crois qu'on en prend une chacun. Ouais. Ça peut se revendre. J'essaie de ramper doucement jusqu'au seuil de la porte pour bloquer la sortie. Non, toi, tu peux pas, t'es inconscient. J'ai pas encore essayé de le réanimer, mais il pue aussi, hein. Je sais pas où je vais mettre mes doigts. Mais ta langue alors. Que fais-tu, le ninja ? Ouf.
Je continue à aider, je regarde avec un air insistant. Quatre respectations. Mais. Tu vas encore finir le cure en l'air. Prêtresse Putatia, tu sens un regard lourd et coquin sur toi. Tu fais quelque chose ? Bah. J'hésite entre ça et puis quand même réanimer mon pote. Enfin, il pue quand même. Non, je vais tenter de réanimer mon pote avant toute chose, mais avec mon pied. Tu vois, j'essaie. Ok. Tu me fais un jet d'intelligence moins. Enfin, oui, moins 10, s'il te plaît. Ouais, non, mais. Bah, t'essayes de réanimer quelqu'un avec un pied, quoi. Mais ouais, mais il pue, lui aussi, il s'est mis du foutre partout. C'est sa faute. Ok. Puis s'est enflammé en tu plus. Tu viens de lui donner un énorme coup dans les couilles, ça n'a rien fait. Ok. Donc le ninja. Désolé. Le ninja continue de regarder prêtresse Putatia. Les autres, vous fouillez ailleurs. Ouais. Enfin, où est-ce qu'il... Qu'est-ce qui a pas été fouillé là ? C'est quoi, c'est des étagères ça ? Des étagères. Y a... Ouais, bah je fouille des étagères. Est-ce que je refais si j'en fais un champ de soins, ça pourrait le healer plus la pièce ? Non, tu sais que non. Il faut au moins les premiers secours là. Ah mais j'ai le premier secours, je crois, non ? Ouais. Peut-être. Je l'avais pris ? Je sais plus. Si tu n'as pas noté, tu ne l'as pas. Point. Oui, mais j'ai pas ma feuille. Tu sais. Je te l'ai envoyé. Oui, attends, je vais voir. Ouais, mais c'est pas écrit dessus, si. Bah si. Attends. Bon, ah, je peux plus rien faire parce que ma souris est passée en mode clic... C'est en mode QWERTY. Ouais, non, je peux pas cliquer, en fait, avec... Vous me faites tous un jet de détection, ceux qui sont en vie, là, s'il vous plaît. Regardez aussi au fond, dans les étagères de l'autre côté de... Enfin, du okay, tu trouves je rien. Déteste les Mac. Bacchus, tu vois près des cartes, il y a un espèce de sous le bureau, enfin sous pas le bureau mais l'espèce de bar. Il y a un espèce de petit cliquet. Que fais-tu ? J'appuie dessus. Ok. Il y a un petit trou qui s'ouvre dans ce un trou rond. qui s'ouvre dans le meuble. C'est sombre à l'intérieur. Est-ce que tu vas faire ce que je fais? Ah ouais, j'arrive. On sait tout ce qu'il va faire. J'arrive. Allez. Je lui fais. Hey gros, regarde. Ça a l'air génial. Et si on essayait de mettre chacun notre bite dedans? Et okay, voir ce que ça, okay, ce que ça okay, donne. Okay. Moi je suis pas très bien. Vas-y, commence. Je fais avec la mienne après. Ça va quoi, crever nous. Je déballe. J'ai un point de vie donc je vais pas tenter le coup. Ok. Étant donné que j'ai toujours la goule avec prêtresse Putatia qui m'avait touché la. J'ai de s'allonger dessus parce que du coup. Ok. Ouais. Je rentre dedans. Et puis, il s'est battu avec sa goule. Tu sens une résistance. C'est froid. Je. Qui dépend. J'ai 4 PV, fais chier. Bah maintenant je ressors et puis je dis à Purin, j'ai senti un truc froid, ça m'a un peu fait débander. Est-ce que tu pourrais toi maintenant voir ce que tu peux faire? Bah là j'ai un PV donc je sais pas si je vais réussir à bander perso. Mais... je prends mon piquet et je l'allume et je regarde dans le petit trou voir ce qu'il y a au fond. Okay. Tu vois un coffre. Cool. Et bah. Mais le trou il est grand comment? Il y a un coffre en dessous, c'est ça? Oui, tu peux mettre 2 bits dedans. Ah, et c'est un petit coffre, il est grand comment le coffre dedans? C'est un petit coffre, ouais. Petit coffre, bah je prends le coffre et je dis à Bacchus, attends, on va s'y coller en fait. Et puis discrètement. Il y a plus que les 3, il y a plus les coches, maintenant je peux rien faire. C'est normal? Je sais pas, j'ai mis des clics. Je comprends pas pourquoi ça s'est fait tout seul. Je vais regarder sur le champ. Tu disais les clics? Donc apparemment, elle clique, donc on va lui faire un G20. Un jet de clic. J'ai jamais vu des clics. C'est un petit peu de toi, c'est pas grave. Bah oui, bah je peux regarder sur mon téléphone pour savoir pourquoi la souris marche. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. C'est pas grave, de toute façon on a bientôt fini. Ok, Burin et Bacchus, là vous avez un coffre entre les mains.
que fait les... Bah, moi je suis chaud de le regarder et puis de partager ce qu'il y a dedans tous les deux, quoi. On l'ouvre. On est des potes pour la vie, après notre... Ok. Je les vois discuter tranquillement, alors je me rapproche non, derrière. Non, tu vois que dalle. Tu vois que dalle, t'es carrément à l'autre bout de la pièce. T'as l'opposé derrière des étagères. Mais je me déplace, moi. Et là, je les vois les dents, je te lance une flèche dans la tronche. C'est tellement pas RP. Ok, pas RP. Les deux, là, vous me faites un jet de force parce qu'il y a une serrure, faut la forcer. Avec quoi? Ils ont bien forcé. Un bâton. Ah, tu viens de mettre ta bite dans un trou, attends, tu peux bien... Jet de force, c'est 6, hein, c'est un 6? Non, c'est un G20. Ah. C'est que tes jets de dégâts, les D6. Ok. T'arrives en tapotant dessus, t'arrives à... C'était un mécanisme un peu tout pourri. T'arrives à l'éclater. Tapoter avec ma bite comme ça. Donc vous trouvez... C'était un long coffre. Il fait cette taille-là. Je sais pas si vous voyez avec le recul. Ah oui, d'accord. Il est rond. Vous trouvez une épée dedans. Oh. Ouais. C'est Excalibur ? Tu la coupes en deux pour l'avoir. Une fiole. Tu feras plus chier avec ta hache. Une fiole avec un liquide jaune. Violet. Fiole de pisse. Ne le tenez pas à pu la pisse. Je suis à terre. Tu prends l'épée, tu prends le. C'est une épée à une main ? Oui. D'accord. Je te donne l'épée vu que j'ai eu le bâton là, de Jean d'or. De Jean d'or. De Jean. Ok. Mais je prends la fiole. Ça marche. Toi, tu sais que c'est une épée de très bonne facture. Et tu sais, Bacchus, toi, tu sais que la fiole, c'est pas terrible. Enfin, faut pas la boire, quoi. C'était l'idée que j'avais, c'est dommage. Je peux demander à Bacchus si mon épée, elle a un... Ah, ça y est, c'est bon, ça marche. Si j'ai un pouvoir ou quoi, tu vois. Je peux pas, j'ai pas de faire ça, moi. Toi, tu sais pas faire ça, ok. Non, c'est moi, je peux, mais... Là, il faudrait un forgeron pour le... Pour le... Je voudrais bien y aller, mais... Mais tout le monde essaie de traiter. Le ninja, en fouillant dans un coffre, tu trouves un arc. Oh, putain, il va encore foutre des flèches dans le cul de tout le monde. Va lui enlever ses arcs, plutôt. Déjà. En fait, on peut lui laisser son arc, mais pas les flèches. Il est rose. T'es de quelle race, toi? T'es humain, hein? Je sais pas. Il est pas zil. Sent bon le printemps. Je le prends quand même, on sait jamais. Ok. Donc là, vous avez fait le tour de la pièce. Il y a plus rien. Enfin, honnêtement, vous avez fouillé partout. Que faites-vous? Moi, je me casse. Je vais voir vers Pulapis. Enfin, j'ai pas de premier soin ou quoi, mais j'essaye de le garder un petit peu éveillé, tu vois. Je lui parle. Il n'y a pas quelqu'un qui avait une potion là pour lui donner? Je sais pas, mais tout le monde s'en prend. Mais moi j'ai une potion, mais je suis pas sûr que ce soit pour réanimer qui que ce soit. C'est moi, sinon je lui donne la potion violette. Putain! Je m'en doutais de celle-là. Tu vas nous l'achever! Mais il faudrait essayer de le taper! Là, il va peut-être se transformer en truc cool, je sais pas, en monstre avec des ailes, ça pourrait être sympa. Ouais, mais Alka, il t'a dit que la potion c'est pas un truc terrible, terrible qu'il faut boire. Ouais, bah, je m'en fous, je vais pas la boire moi, mais j'ai envie de savoir ce qu'elle fait. Elle met dans le cul. Bah grave, ça va plus vite, hein. C'est moi, je faisais mourir, peut-être. Moi, je lui fais boire. Okay. Par la nuit. Tu fais tout boire. Est-ce que, non, est-ce non, que une, j'ai... une petite gouttelette. Est-ce que j'ai toujours ma capacité à vomir? Une goulée. tu vois de la bave, de la mousse blanche qui apparaît. Et vous voyez qu'il a des soubresauts, qu'il est en train de... Mourir. Il est en train d'agoniser là. Mais il faut l'aider là. Hein. Je mets en PLS. J'ai envie de mettre en PLS. Ok, très bien. Ça change rien. Il a toujours des spasmes. Je pourrais lui donner un peu de ma potion de soin. Tu peux pas le reste. Putain, tu peux pas lui. Il y a pas quelqu'un qui a. Je peux pas lui. Et Lily Rose, t'as dit que t'avais premier soin tout à l'heure. Bah, c'est pas écrit sur mes feuilles, mais toutes les compétences que je choisis sont pas écrites, en fait, donc... Venin, pisse-lui dans la bouche, ça va faire partir l'excédent de cette potion à la con. Y a pas quelqu'un qui a deux points de destin? Moi, j'ai pas de points de destin. Ah, mais il a un point de destin, bah, utilise ton point de destin. Bah grave, utilise toute ta peau. C'est pas les couilles. Attends, je te dis juste si Lily Rose, elle a la première soin. Enfin, si elle peut me relever, ça m'arrange. Ah, bah non, elle les a pas notées. Bah... Non mais c'est pas à moi de les noter là. Tu pouvais putain, pas si elle peut pas refaire son truc. Tu veux que je te retape dans les couilles? Mais moi je le mais fais non, hein. Mais non, tu le... Mais les mains. T'as des gants. Bon,
Je mets les gants et j'essaye de te retaper un petit peu. Je veux bien. Pour l'instant, je bouche le nez de Putassia et je bouche mon nez aussi. Bon. Ça l'incommode un peu moins. Ça passe. Ok. C'est pas une réussite critique. Tu arrives à arrêter les spasmes, mais ils se réaniment pas, là. Ah oui. Allez, je vais passer un point d'astin, là, quelque chose, déjà. Si je lui donne un peu de ma popo. Tu lui donnes la potion ? Je suis obligée de tout lui donner. Bon, allez, je lui donne tout. Ok. Tu... Plus la pisse. Tu tues la mort. Tu te réveilles. Ah ! Mais t'es pas bien. Tu vomis. Ah bah bien. Du coup, tu vomis une partie de la potion. Ah bah t'es con. Tu gagnes 3 points de vie. Je compte pas le négatif, du coup. Quand tu gagnes 3 points de vie. Ouais. Et c'est toujours mieux. Violent, t'as combien toi, du coup ? Non, mais j'étais à moins 1. C'était pas gênant, quoi. Alors que Neuron, il était à moins 11. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour ce soir. On n'aura pas de retour au village, tant pis. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup plus de combats que la dernière fois. Ben on s'est battu entre nous aussi. Ouais, mais... en fait. Bizarrement, on s'est moins mangé de petits dégâts, quoi. On s'est juste pris du gros one shot. Et... Parce que la dernière fois, on a quand même... On prend en compte qu'à chaque fois que Fab est là, il essaye de créer des batailles comme ça entre nous. On a quand même masqué. Je suis un mage noir méchant. Ouais. Toi, t'es un cochon rose qui se met à quatre pattes. Tous les cas, sur le stream, là, vous êtes 19. Donc, merci à vous. C'est super agréable d'avoir autant de personnes qui regardent l'émission. Ils sont chez mercredi soir. Je sais pas, exactement. Je sais pas combien on sera la semaine prochaine. Je sais pas si on continue du Nullbuck. Peut-être. Je pense qu'honnêtement, on va continuer du Nullbuck. C'est pas mal, c'est fun. Et c'est assez rapide. Après, on peut partir sur. Sur une aventure qui peut continuer hein, avec tous ces personnages-là, si tout le monde décide de continuer. Voilà. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les envoyer en message, que ce soit par rapport au combat, par rapport à l'overlay, par rapport à plein de choses. Là, aujourd'hui, c'était pas moi qui streamais, mais Evenlot, dit le ninja. Voilà. Le couard. Mais la semaine prochaine, on sera là, il n'y a pas de souci, je serai de retour chez moi, donc je pourrai host. Et voilà, je sais pas si Bacchus sera parmi nous. Mais... Donnez vos avis sur Marie-Jeanne. Je serai. Comment ? Comme j'ai pu. Ça s'est bien passé. T'as juste eu un freeze à un moment, mais sinon, c'est pas gênant. Du coup, t'étais complètement déconcentré par contre ce soir. Ah, lui, qui est un truc de fou. En fait, on me sollicitait tellement peu que. Oh, comment il fait sa vie ? Mais il faut que tu te lances. C'est à toi de t'investir. Quand on est 6 comme ça, il faut. Ouais, puis quand tu t'investis trop, tu meurs, mais c'est pas grave. Mais quand on est pas en. Pas comme ça surtout. Donc j'attendais. Non, ça n'était pas si dur, franchement. Quand on est pas en combat, c'est un peu l'anarchie, quoi. Du coup, je me suis amusé à faire des zooms. Ouais, j'ai vu, c'était propre, c'était bien, on voyait bien la scène et tout, c'était cool. Moi, j'ai rien pu voir, tellement d'injustice. Ok, bon, moi, on va s'arrêter là, je vous remercie tous, et puis à la semaine prochaine. Tous vers 20h30, 21h. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Merci à tous. Ciao, ciao. Bonne nuit à tout le monde.